Très chers amis, très chers abonnés, très chers pilotes, très chers, je sais pas, très chers donc amis, ouais, on va aller au plus simple. Excusez-nous de ce grand retard. Et oui, forcément, on a eu un petit retard puisqu'il fallait tout bien préparer, tout bien mettre en œuvre C'est pour F1 cette slash soirée. donut. Donut sur la fraise. Ou donut framboise. En tout cas, c'est F1 slash donut. Merci FASF Donuts, ça fait extrêmement plaisir de te voir parmi nous. J'espère que tu vas bien. Bon. Quel Comment tocard. entendu? Trop tôt? Oui. On t'a entendu peut-être un peu trop tôt, mais c'est pas grave. Allez, on y va, on perd pas de temps, on va sur la piste. Ouais, c'est une petite boutade. C'est pour ça qu'on a pris du On va temps, c'est parce que aller. bah F1 SF Donuts était dans la place. Exact. Bon, Allez, du coup, j'ai pas du tout entendu ce ok, que t'as dit. Hein. donc je n'ai pas du tout de data, donc en fait, voilà, on voit que les numéros ne marchent pas si Bon, on faire n'a pas les l'ancienne. monoplaces réelles. Donc on va le faire à l'ancienne. À l'ancienne, l'ancienne. De Allez! toute façon, hey, on est jeudi soir et jeudi soir, c'est à l'ancienne. C'est l'ancien temps Ouais. qui prime. Bon, du coup, je disais que j'ai rien entendu à ce que t'as dit, puisque du coup, c'était le donut qui était. Bah oui. Mais tu m'as bien coupé, mais c'est pas Ah, ouais, grave. bon. On va faire un. J'essaie de suivre avec le live, je me suis dit, attends, ça se trouve, il m'a dit 30 secondes, mais là, ça fait déjà 45 secondes. Enfin, bref. Du coup, c'est Pas de une course de soucis. réservistes pour ceux qui nous rejoignent. Ouais, Bien, merci. bonsoir à tous. Salut, salut Filou. Filou Gare, bienvenue à toi. Et pas de soucis, Fatal, t'inquiète pas. Il s'excuse hein, pour les problèmes techniques. Rachète F1 22 sur la PS4. Parce que, franchement, sinon on n'y arrivera jamais. Et tu nous manques aussi sur la piste, donc c'est bien pour ça. N'hésite Fatal, pas tu nous manques. à le prendre. À le prendre sur Ou PS4. sinon Marine, à Z. salut les gars. Reda, on t'entend très bas. Oui, mais il avait pas son micro sur la tête, donc il avait sur un donut. Ouais, Et il est en train de bouffer là, comme un. Comme tous les jeudis soirs, ça va être le bordel. Bon, comme le disait Reda, avec la bouche pleine, ce soir c'est une soirée pas tout plein. 100% réserviste. Il n'y a que deux titulaires. Il y Trois, a non? Mickey Mac, Pierce et DLM Arnaud. Pierce et DLM Arnaud. Donc Et il y aura trois Zlatan. titulaires. D'ailleurs, Zlatan, Et il vous fait chier parce voyez. que j'avais. Il Ah fait oui, chier, Zlatan, Zlatan. parce que j'allais dire, bon, en fait, les titulaires qui pouvaient venir, c'était des F1 SF. Mais bon, là, il y a Noz Zlatan. Nous sommes envahis de Noz, au cas où que. Au cas où que vous ne l'auriez pas remarqué, et du coup. On a eu le nez fin de recruter des nozes. Alors, salut. Ah, il y a Seb le Tchoul. Non, Seb Tchol. Salut à tous. Allez la nose, il nous dit. Ah bah oui, il Du n'y a grand que des Mendes ce nozes hein, ce soir, soir. donc. Hein. C'est ça, du Alors. grand Mendes. Moi, je m'occupe des commentaires sur Facebook. Donc, salut Aurel, salut Seb, salut Alex. Et Noz Moka qui a fait le meilleur temps pour l'instant. C'est une inter-team en fait Suivi de ce soir, très c'est la près. nose contre le. C'est. Ah Ah ben Rob Dani l'a déjà bah. pété. Comme à son habitude, alors là Où par contre est-ce c'est qu'il est? compliqué de savoir avec qui. Un bleu cacarotte. Ah bah il est là quand même. Cacarotte. On va. Un Non, il est noir. dans les stands. Nocta. PHX. Nocta. Où est-ce qu'il est? Je le cherche. Nocta. Il est là. Monsieur PHX. Nocta. Notre réserviste, donc, Il qui a vient cassé où? couper. Qui Mais comment il a vient. fait pour Oui, casser il vient là? couper. Il a C'est pas ça qui est coupé bien avant avec les Rob stands. Daddy, c'est que il nous surprendra toujours. Sort ses casses. Qu'on salue, soit du passage. Le Ça sera mieux avec Barkbos! les données du tour. Qui vient faire le C'est premier serré temps quand de même. Showbiz! Et quand même. Est-ce qu'on Ah, n'aurait là, pas c'est du vrai que beau c'est pas. combat ce soir quand même? Ouais, vu que c'est pas moi qui est en train de prendre les caméras, je vais pouvoir. Zigzaguer très vite, passer de pilote en Oui, pilote voilà. Là, réservé. Ouais, je fais comme ça, ça me dit tu peux attends. t'amuser. Mais oui, Fatal, n'hésite pas. Prends la PS5 à ton fils. Non, mais attends, je rêve. C'est toi, Ouais, je suis papa, sûr quoi. qu'en plus il va y avoir des offres là. Il va y avoir des offres, même la mettre sur PS4. Qu'est-ce que tu... Si tu prends sur Mais PS4, oui. après le jeu, tu pourras rouler dessus avec sur PS5. Hein. Oui.
c'est vrai. Allez, je suis sûr qu'il va notre... Désolé, Pimous, il m'envoie une invitation d'amis. Je suis un peu occupé. Mickey Mac, donc, qui fait son premier tour, là. Alors, me dit qu'on m'entend, elle est... m'entend très mal. Hein. Non, mais c'est bon, je l'ai réglé. Attends. Normalement, t'entends bien. De quoi? Ouais. Merci beaucoup, FASF Salomé. Ah merde, attends. Oh putain, je m'entends bien. C'est quoi ce délire? Ah, je m'entends encore. Eh oui, bah non, vous l'aurez compris. On est jeudi soir. On ne l'entend pas. On m'entend très mal, apparemment. Bah écoute, moi je t'entends bien. Moi je t'entends bien. Attends. Ah, mais après, sinon je vais m'entendre en double. C'est bon là? C'est bon ou pas? Ou alors, et monte le son depuis ta manette. Monte le son depuis ta manette, depuis la PS4. Montez le son de ton micro. Dans la partie. Mickey Mac qui va arriver dans le dernier virage qui va se présenter d'ici peu. Par contre, la batterie, elle prend une grosse claque, hein, sur un tour. Ouais, ouais. Parce qu'il va passer la ligne, il lui reste même pas 20%, et il prend le troisième temps en 1:34.628. Non, mais ils se battent tous pour les temps, là. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Non, mais dis-moi toi. On entend bien? Ah, c'est vrai, là, alors qu'il y a des problèmes. C'est ça? Ouais, c'est vrai, là. Le vieux Normand, là. C'est ça. Il y a des problèmes d'audition. Mais moi, je t'entends bien. Ah, ça capte pas en Normandie. Après, toi, tu m'entends en vrai, mais après, moi, je sais que la semaine dernière, avec... bon, après, c'était chez moi, donc... hein, on entend bien? Ouais. Aurel, vas-y, dis-nous si tu nous entends bien. Là, ça y est, je l'ai un peu critiqué, il va bouder. Non, mais... C'est que j'ai le son du jeu à fond et j'ai peur qu'on entende plus les Watchers que toi, donc... Non, mais après, t'inquiète, j'ai essayé de faire un truc sur mon micro. Bon, on rappelle que la soirée est sponsorisée par les Pizza Woodies. Arrête, on va le croire. Ouais, il y a ça avec Flo Fox. Et il a pris quoi le et ça glisse. Et il y a quelqu'un qui arrive. Ouh. On a strictement rien compris, mais ah bon, y en a Hydrasnar qui arrive. Qui arrive et qui va passer la ligne. 1:33.609. Le meilleur temps pour l'instant provisoire. Il y a l'air d'avoir du lourd, hein, en réserviste là ce soir qui vont revenir à rouler avec Kakarot. Kakarot, est-ce que ce soir il va devenir vraiment Sangoku ou est-ce qu'il va être Boubou? C'est quoi Kakarot? C'est la qui. C'est un personnage de Dragon Ball. Tu ne connais pas Kakarot? Non. C'est Sangoku. Bon, là, il est en Super Saiyan. Ouais, ouais. Là, il est en Super Saiyan 2, mais... Bon, allez, bonne soirée. C'est serré, on nous dit. C'est très serré. Ça fait extrêmement plaisir à voir, en tout cas. On voit qu'il va y avoir du combat assez proche. Déjà, pour passer en Q2, ça peut être compliqué. On remarque pour l'instant que Check, Flofox et Kakarot et Alex Ruby avec Pierce sont un petit peu en difficulté puisqu'ils ne sont pas encore dans la ligne 34. En sachant que les autres, ils sont... Flofox, donc c'est là où apparemment on n'a rien compris à ce que j'ai dit, mais il est parti en spin sur son tour. D'accord. Il a glissé, il a pris le vibreur là dans le début du deuxième secteur et... En tout cas, on attention a Davzi qui va passer la ligne et une 34-530. Ouais. Nocta. Allez, on va se mettre avec Nocta sur enfin son tour lancé qui, on espère, va pas le couper. Je crois que Flo Fox le met avec lui, on va voir. Bon, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir de lag. Qui fait? Il va se faire disqualifier. Donc je trouve que j'ai réussi à trouver mon problème. J'étais sur lui et... Oh non, Nocta! Oh Nocta! Et les deux au même endroit, Ah. Ah oui. Ouh, et là, non mais attends, oh là 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 là! Ils sont trois au même endroit! Qu'est-ce qu'il fait? Ah mais j'avais pas vu Flofox qui avait cassé ici, mais je... Si.
Mais ils étaient trois au même endroit. Et là, tu peux Allez, te mettre avec Alvaraz, mais Movic. là, les pneus, ils sont bouillants. Donc Ouais, on va se là, mettre avec. On va se mettre avec, avec Movic VSC. Pourquoi Soiz VSC? Je sais pas, on nous dit VSC. Avec un bonhomme qui a des outils dans les mains. peut-être Movic, que c'est ça secteur aussi, c'était la 3. dinguerie. Ouais, peut-être. Et Moka qui, Nocta qui chauffe sa gomme. Ah Donc oui, c'est d'accord, pas de trafic dans soucis, un Soiz. secteur. Ouais, ça zigzague un petit peu devant lui, là, pour chauffer les pneus avant un autre lancer. Movic. Et moi je me mets avec Nocta. Avec J'avais oublié, Nokia, hein, ce allez hop. circuit. Je l'avais vraiment Oh, oublié, ce circuit, et ça fait c'est presque plaisir de retourner dessus, quand même. c'est pas moi. Ah! Je suis content. Mais non, mais non, on n'y est pas! Voilà, il n'y a que Bon nos réservistes courage. qui ont le droit de rouler dessus. 12e temps, 1.34.9. Oh là là, mais c'est abusé, les chronos! Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça, hein. Aussi proche. Même le groupe 2, il n'a pas fait ça. Même le groupe 2 n'a pas fait ça. Et pourtant, c'est souvent Pierce qui a perdu sa voiture. Cacarotte qui passe par la voie des stands, mais il est bloqué par son coéquipier que je ne sais pas qui c'est. On a Noctar qui est en retard dans son secteur 1. Ça prend pas de risque, hein. Mais en tout cas, la Q2, elle va être monstrueuse. Ou alors il y en a Ah, ça va se qui batailler jouent. là. Ouais. Oh, ça améliore de 15 secondes pour Noctar. Tu m'étonnes, il Enfin. a fait 2-12. Après, il a encore une belle marge dans le dernier secteur parce que vu comment il était à l'arrêt dans la dernière ligne droite, il va encore gagner sur la Ouais, ligne c'est droite. vrai. C'est vrai. Allez, le chrono à battre, ce serait une 34. Non, une 35-2 de Pierre. Et ouais, en King plus. Killer, c'est celui qui a gagné la course du groupe 4 la semaine dernière. Nosmovic, Exact. Non, il a gagné une course, lui? Non, il a perdu une course avec une connexion en carton. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Et 35-6, du coup, il passe 15e devant avec place. Rugby, mais. Pas Attention, mal, ça, Alex parce qui a qu'avec tout lui, il est en annulé. piste. Tout annulé. Toujours dans les stands pour Kakarot. Qui est en tour? Moby qui rentre. Moka. Moka qui va finir son tour là. Et le deuxième temps, une 34-196. Non, il attaque Nocta. Oh, bah, il a Il fait. vient Oh, de bah, Alex, finir. il a pété. Oh À la non! Hamilton, dans les stands. Mais comment? Eh bien, et ça se trouve, Rabdani il a fait la même. Non, C'était parce pas que là lui, qu'il avait il cassé. était, il était sur la ligne d'arrivée. Parti. Oh non! Allez, ben Kakarot il est sorti. Et en plus, il a la voiture de la F1 Simulator France. C'est pas beau ça? Ah, Qui d'ailleurs, quel bon élève. on est sponsorisé hein, par la F1CF ce soir. Par la F1 Simulator France? Ouais. Ouais, je le porte sur moi. Sans le vouloir en Ah plus. oui. Sans le vouloir. Ah oui. Mais j'ai un peu froid et comme c'est une petite polaire, elle me tient bien chaud, ça Ah fait ben plaisir. regarde, moi j'ai le col roulé. C'est Ah ouais, non, le mais il col roulé fait. de On la met pas F1 le Simulator chauffage, on n'a France pas le aussi. droit. Apparemment Macron il a dit qu'il faut mettre des Non. cols roulés, non? Ouais. C'est Col vrai. roulé à côté de moi, là j'ai gros décolleté là. Chacun sa manière de se réchauffer. Je colle roulé, je tourne la tête. En fait, quand vous me voyez tourner la tête, là, c'est parce qu'il y a gros décolleté à ma droite. Si vous êtes sage, on pourra peut-être vous montrer à l'écran. Bah Nocta qui a pété. Je crois qu'il a cassé aussi dans les Oh, stands. mais non! Mais non! Mais comment ils peuvent faire ça? Allez, Kakarot, il faut gérer Qu'est-ce qui se là! passe dans les stands? Allez, tu rembarques avec Kakarot et Oh du coup. non! Il y a une 37-402, il faut le gérer, il faut aller chercher les lignes 35-6 Mais non, mais là! il attaque son tour, il attaque son tour, il était en tour de sortie. Mais non! Allez, vas-y. Regarde, il a plus de batterie! Il était pas en tour de sortie, il a Ah oui, bah amélioré, si, il il était a en fait tour de une sortie, mais il est dépassé. 37-4! Il est Mais. dépassé, Sangoku, on t'a dit. Allez, après le virage Oh Essar là 2, du coup, on arrive là. sur une petite ligne droite où on arrive fin du premier secteur. Virage serré, un peu en épingle, même complètement en épingle en deux, apparemment.
et on réaccélère. Et c'est là qu'après, on va reprendre une courbe assez rapide. Et c'est là, si on prend le vibreur, apparemment, comme a fait Flofox, on part en spin. Après, cette partie, je la déteste. Hein. Là, après, on refait un virage à droite. Ouais, non, là, c'est chiant. Ouais, là, après, ici, on arrive sur une petite partie sinueuse, là, en mode... ça ressemble à un circuit, mais je sais pas... Oups, voilà, là, si on fait comme il a fait, là, on peut partir dans le même erreur tout à l'heure. Comme Flofox, encore. Voilà. Là, il améliore. Encore une épingle. Et là, on a l'activation, enfin, le DRS, qui... mais regarde, il va tout perdre. La détection. Et ce virage aussi, il est où? Il est galère. En fait, c'est un circuit de merde. Et complètement avec des virages, des courbes, des... ça va à droite, à gauche, à la fin, t'as mal à la tête. Et longue ligne droite, une des plus longues du championnat, donc il est au calendrier. Avec le DRS, gros freinage, un des plus gros freinages du championnat. Et punk, c'est là où on peut dépasser. Et on arrive sur les derniers virages où apparemment, on peut casser aussi. En fait, on peut casser partout. Comme ça fait deux ans qu'ils n'ont pas roulé dessus, les gars. Et cacarotte, il faut repartir ce moment. Oh non. Mais c'est dans la ligne droite qu'il a tout perdu. Reda, tu me tues à manger au cam. Le vieux Normand t'entend toujours aussi mal. Bon, hé. Oh non, mais non, là, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui se plaint. Dites-nous un peu sur live si vous m'entendez. Dites-nous sur Twitch, s'il vous plaît. Sur Twitch, ouais. Ou sur Facebook, parce que moi... Parce que bon, oui, sur Facebook, selon... Non, ouais, moi, je le demande sur Facebook. Parce qu'Aurel, c'est sur Facebook. Ça se trouve, c'est Facebook, le problème. Zaltar, santé. On veut pas l'entendre, de toute façon. Ouais, c'est bon, on nous dit. Ouais, c'est bon, on t'entend. Hein. Donc, non, mais c'est le Normand là qui a besoin. Je sais pas. Aurel, soit tu fais quelque chose ou je sais pas, hein, mais. Est-ce que t'as appuyé sur le bouton de sonotone? T'as pris les pastilles à crème là, le truc. toi, annule, allez hop. écoute, ça va être fini. Ils seront que 14. Mm. Mais 14 à être dans la même seconde. Hein. Mm. Limite. Parce qu'il n'y a que Pierce. 35-2 et 30. Non, il y a une seconde de 6 de différence entre le Hydraznar et. Et Pierce. Alors, Elena, Luis, Mumu nous dit en même temps, il parle la bouche pleine aussi. Donc. Merci. On rappelle, le live est sponsorisé par les pizzas Yahoo's et par la F1 Simulator France. Mais c'est beaucoup de championnats qui sont sponsorisés par une pizzeria. Non. Exact. J'en connais aucune. Mais voilà. Il y a quand même une seconde 2 puisque Hydraznar est vraiment allé chercher une 33-6. Hydraznar, c'est le collègue à McQueen, c'est ça? Je pense. Je sais plus. Non, je. c'est-à-dire qu'on est bientôt. Il a bien tryhard. Ah, j'aime bien, là, il y a plein de drapeaux. C'est Rob. D'accord, ok, Rob Daddy. Qui est Elena, lui, ce Mumu. Bah, c'est Elena, lui, ce Mumu. En plus, il veut passer, il veut se faire discret après ce qui s'est passé. Alors, du coup, bon, bah, Alex Rugby éliminé en Q1, ça il a l'habitude. Je crois qu'en fait, s'il est. Ah, c'est un collègue à Nenel. Hmm, c'est un collègue à Nenel, Hydraznar. Ah. D'accord. Bon, du coup, ça on marche. A la réponse de notre vieux Normand. Le problème, si je l'augmente, Rémi m'explose les oreilles. Bon, j'ai même pas crié une seule fois encore. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Y'a que moi qui ai crié, quand j'ai crié, apparemment, c'est... Vous m'entendez pas. Comment ça s'appelle, là, le... SMR ou je sais pas quoi, là? Quand tu chuchotes comme ça. Hein? Tu sais, les vidéos, là, où ça fait du bien au mental, où tu... Attends, tu parles à qui là? Mais moi je sais pas c'est quoi ça. C'est l'ASMR je crois. Ah merci, merci Sowiz. Je vais faire de l'ASMR. Mais moi je connais pas tout ça moi. Et après je vais bien crier.
Non, pardon, excusez-moi, je m'enflamme. Allez! J'ai un problème, c'est Ça bon. y est, j'ai un peu chaud. Genre, je vais plus avoir de batterie bientôt. Il y a un chargeur, il y a un truc là qui. Ah, je vais me couper, sinon on va m'entendre pas. Qui est sorti? Nous avons King Killer qui est sur la piste avec une très belle monoplace. Donc ce soir et comme tous les soirs de championnat de nos réservistes, puisque je le rappelle ce soir, c'est une course d'essayage, puisqu'on essaye de mettre en place un mini championnat pour nos réservistes, parce que Essayage. forcément on leur doit bien ça. Qu'est-ce qu'elle a, F1SF Salomé? Non, c'est moi qui ai dit d'essayage. Ah! Ah, donc ça, ce soir on essaye un petit peu tout ça. On a essayé, on a tenté de remettre en place le système de crossplay pour essayer d'avoir nos réservistes qui sont sur PC, mais malheureusement ça n'a pas marché. Donc on va rester entièrement sur les plateformes PS4, PS5. On est sûr et fiable à 100%. Bon, Donc désolé les gars. voilà, donc. Non, tu ne coupes pas ta caméra, elle était très bien. Je sais pas pourquoi tu es venu à la changer là. Parce que j'ai plus de batterie sur le téléphone. Là. Ça tarde ou pas? Bienvenue à toi, Maximovic. Donc pour Avec terminer, donc chaque Maximovic, ça. semaine. Maximovic, écoute, oui, je pense. Oui, c'est Ok, Nosmovic. il m'a décalé toute la caméra, donc excusez-moi, je suis obligé de la refaire. Voilà. Ah, tu veux que je tourne un peu? Non, c'est bon, c'est bon. Touche à rien parce que là, je viens de toucher. Donc, ne Attends. touche à rien. Un peu plus central, ça. Mieux comme ça? Attends. C'est parfait là. Touche à rien. Allez! Allez, allez, allez. Et pendant ce temps-là, Warxbow est le premier qui va nous faire un chrono de référence. Non, ça sera Non, c'est King Killer. King Killer. The King Killer. Le vainqueur de la coupe, du groupe 4 la semaine dernière. Allez, j'ai la bouche vide, je vais pouvoir parler. Bon, du coup, j'ai faim. Là maintenant, pour qui? Pour toi. Qui va prendre la pole? Pour Maintenant, de moi, suite. Hydrazna. Ok. Voilà. Écoute, Hydrazna devant RCR Dafsi. Eh moi ouais. je mettrais une petite pièce sur Waxbone, monsieur. Non, après Moka il a fait quand même un bon temps parce que Moka c'est un mec. Ah non, il vient de commencer lui. C'est un tout nouveau réserviste Et qui est on le arrivé découvre ce hier. soir. Et oui, on le découvre Oui. ce soir, exact. C'est à ça aussi que sert cette course. C'est aussi pour jauger un peu le niveau de nos réservistes parce que pour après pouvoir les orienter au mieux dans les différents groupes auxquels nous proposons des courses de championnat du lundi au jeudi soir. N'est-ce pas la crème? On verra tout ça. Ah oui, c'est vrai. Bon. King On Killer. verra tout. Hey, King Killer qui est tout seul à faire un temps, donc c'est normal. Bon, en fait, j'attendais juste que tu me dises. Tout à fait, Reda. Tout à fait, Reda. Monsieur RC Reda, tout à fait. Nous roulons du lundi au jeudi. Mais combien il y a de groupes? Nous en saurons plus à la mi-temps, à la fin de la Q3. Cordialement. Chat noir! Chat noir! Y a de l'écho ou quoi? Allez, Par c'est contre, qui Dracula? Warxbod, j'ai mis une pièce sur toi, hein, je te Ouais, rappelle. Mais bon. t'as pas dit c'était quel groupe? Allez, Zlatan Sowiz! Sowiz! Mama, ça va être serré cette Pour Q2! Elle va être monstre! On est en train de 5e, allez, suivre on a. Mr. Pearls. Mais il y a quelqu'un devant lui. Mais il y a du monde devant lui, non? Je crois que, y a des voitures blanches qui arrivent. Ça serait pas Monsieur Arnaud qui arrive? Si, attention à Bah, Arnaud c'est tout à aussi. fait Monsieur Arnaud. J'ai rien. Non, mais j'ai rien mis à Mais c'est l'écran. Hydrazna aussi qui arrive. Non, pas du tout. Je n'ai rien mis à l'écran. On voit rien. Oh, 2-12 pour Et Arnaud. Arnaud, ça fait 2 2-13. minutes 13. Très beau temps. Très beau temps. Bon,
Ouais, c'est vrai, je ne suis pas, donc du Pierce! coup. Et Wargsbode, Ah merde, je croyais qu'il était à t'as 30. mis une pièce de quel montant, t'as dit? J'ai pas mis d'argent. Attention à Tchèque Ismaël, Mickey Oh, Mack qui bienvenue vient là, de ouais. Hydrasnar! Et Une voilà. 33-2! Ouh là là Attention, là Pierce, là, parce que une c'est seconde. loin. Non, c'était un certain Don Reda s'est fait disqualifier à cet endroit-là. En qualif. En voulant le commettre. Tchèque Oh, Ismaël. on a Mickey Mac qui tond un peu la pelouse. Une 34-7. Ouah, j'ai vu une bagnole tracée dans les stands. Oh, je croyais qu'elle allait jamais s'arrêter. Ah bah c'est peut-être pour ça alors que les mecs ça casse. Bah ouais, ils arrivent comme des balanques. Nirina. Nirina qui va arriver, qui va aller chercher un temps de 1.34. 2. Quatrième temps. 170. Entre Chat Noir et Zlatan. Premier nose. Pierce qui arrive. Pierce, Ah, salut. 9e temps, Il 1.59. On les voit dure. bien, les... Salut, Rudy. On les voit bien, les pilotes, en tout cas, du groupe 3. Ah, je pense qu'ils ont du 9e et boulot là, 10e ils sont. place. Ouais, ils veulent pas effrayer la concurrence. Ils veulent un peu Mais il leur faudrait vous laisser. réveiller un petit peu. Histoire de commencer à faire trembler Hydrasnar, quoi. Parce que bon, pour lui, Ah bah c'est ça a pas. l'air d'être. Bah c'est du groupe 2, hein, on avait dit. Hein. Normalement là, Ouais, allez, c'est moi vrai. je vais un Ah oui, peu c'est tout me vrai, rappeler. c'est vrai. C'est vrai. Wargsbode. Bon, Chat Noir c'est groupe 1, groupe 2. Sowiz groupe 2, Draznar groupe 2, Dafsi groupe 2, Il n'y a que du groupe 2. Wargsbot. Il n'y a que du groupe 2. Tchèque Ismaël c'est groupe 1 normalement, voire groupe 2. Tchèque Regla il commence à rouler sans aide. D'ailleurs si tu m'entends, Tchèque, tu es attendu en privé. Et Dafsi, deuxième temps. Ah, Le celui qui Dempsey. a les bons calls. Allez, Warzbot, là. Mocha. Secteur de violet Pour qui? pour Mocha. Ah ouais? Ouais, mais il a pas de temps. Et violet quand même, hein. Alors, Bah, pour lui, oui. violet, ça veut dire que c'est le secteur 2 absolu. Regarde Mocha. Troisième temps, 892. 30-8. Alors, tu me dis, il me semble que l'entrée des stands On te n'est pas souhaite. si simple. Hein. Un peu la même casse-pas. Non, je crois Ah. que. Bon, c'est simple. C'est juste en Non, il fait, y faut a un mur freiner. en moins. Ouais. Faut freiner. C'est tout. Elle n'est pas dure, c'est juste faut C'est freiner. clair. Sauf que là, c'est sec. Je sais pas comment les mecs ils ont fait pour aller tout droit, quoi. Peut-être qu'ils pensaient que c'était. Qui c'est qui a cassé dans le stand? Ils étaient trop. Nocta, je crois, Je me il a souviens pété dans le plus. stand. Ouais. Ouais, je crois. On suit Warzbod là. On va aller voir s'il prend le secteur inviolé. Oui, monsieur! Secteur inviolé! Allez! C'est dans le secteur 2 que tout a été perdu tout à l'heure. Il faut aller le chercher! Allez, Warzbod! Avec sa monoplace style. Ah, je me souviens plus du nom du Je sais pas, en film. tout cas, moi je suis avec Nozmovic. On a Zlatan, on a Movic. Il manque plus qu'Ibrahim. Attention. Secteur de violet pour Movic. Ah, il a pas eu secteur de violet, Warzbod. Peut-être le secteur 3. Allez, Warzbod, allez! Ah! Merci, Sowiz! Ah ouais, merci, Sowiz! Putain, je le cherchais! Je parlais donc de Rasta Rocket, exactement. Ah, et ben moi j'en profite pour dire merci à Elodie qui m'a souhaité un bon appétit. Elle.
Mais Sowiz aussi, je t'ai dit, on te souhaite bon appétit. Pardon. Par contre, Reda, c'est... Attention, Wags ! Oh, je le voyais passer dans les 1.33 et... 1.34.789, c'est loin. Mais ce n'est que la Q2. Moi, j'ai dit qu'il était en Q3, pole position. Les amis, je Arnaud. Les gros yeux. Salut Gérald. Oh Arnaud, Arnaud qui a glissé et qui a tout perdu et qui ne passera pas si ça continue comme ça. Voilà, il se passe à côté, mais à une vitesse. Mickey Mac est en tour de sortie. King Killer est en danger, mais il améliore dans son secteur 1. Ouais, je perds mon téléphone. Là. Il améliore dans son secteur 1. King Killer. Secteur 2. Je vous rappelle qu'il a gagné lors de la course du groupe 4 hein, de la semaine dernière à Imola sous une pluie. Alors attends, on va pas dire groupe 4. Il a gagné la course mardi dernier. Mardi en fait, dernier. Groupe 4, après ils vont savoir qu'il y a minimum 4 groupes. Oui. Il y a minimum 4 groupes. Et le groupe 4 roule le mardi soir. Après, il y a des championnats, il y a des groupes 4, mais il n'y a pas de groupe 3. Oh putain. C'est vrai. Je me suis pris un retour de karma. Ah, boum. Allez, King Killer. Ça donc, arrive tu quelqu'un ce sur soir. La ligne. Où est-ce qu'il va tuer King sa, Killer. Sa Q2 ? Eh, ça a l'air d'être pas mal, ça va passer les 1.33. Hey, 993 hey, boum Ismaël. Ah, et Nozmovic qui pite, ça va, c'est terminé. Movic, ça sera... Ah ouais, et Tchèque qui passe à la quatrième. Magnifique. Oh, regarde ça, mais c'est encore hyper serré, le top 5, là. Arnaud, il est en retard. Ouais, par contre, là, c'est plutôt... Une seconde de retard, ça va être terminé, Mickey Mac, 13 secondes. 13 secondes d'amélioration, est-ce qu'il peut aller chercher mieux? Ça va être terminé pour Piers. Attention, Zlatan, il est toujours dans les stands, ça pue. Ouais, Piers, il est en tour de sortie, là, il va attaquer son tour bientôt. Oh, ouais. Et ça glisse pour Arnaud qui casse. Oh, j'étais pas dessus, c'est dommage. C'est j'ai lâché l'affaire. Parce que j'étais sur Mickey Mac. Il faut que j'aille sur la voiture blanche. Blanche. De check. Je passe la ligne avec Mickey Mac. Ouais. Elle a disparu. Quatrième temps. Bah, je vous Mickey Mac, ouais, quatrième. C'est 30. Et Nirina voilà, qui est au stand. Chanoir qui est au stand. Tout ça, ça pue pour eux. Zlatan en et pire, ce qui vient de sortir. Ouais, pire qu'attaque. Et... Une belle voiture, une belle livrée. Hein. Qui ça une voiture chinoise. Pierre. Piers on dirait qu'on ouais, en rouge et... La Ferrari du Mugello du 70e anniversaire. Ouais. Moi, il me fait penser un petit peu à Iron Man. Elle a les mêmes couleurs qu'Iron Man. En tout cas, Zlatan, qui est en tour de sortie. Est-ce qu'il va avoir le temps de... Oui, il va avoir le temps. Sowiz aussi. Par contre, Chad Marina en grand, grand danger, là. Parce qu'en plus, c'est très serré. Là, tous ceux qui sont en 34-10... Warzbot 34-10 et en plus il pose 34-1 pour Sowiz. Oh, ça casse pour Piers. La glissade qui l'envoie droit dans le mur. Ah. Terrible, terrible crash. C'est terminé pour Piers. Mais il est pas mort, hein, mais tout le monde a glissé là, puisque je pense que ce que je vois, c'est Arnaud aussi qui a laissé son pneu hein, sur l'herbe. Ah, ouais, c'est la carte. Zlatan. Zlatan, 6 minutes hein, de retard. Non, c'est, il lance. Aydraznar qui en profite pour améliorer, mettre une seconde sur la concurrence. Voilà, bah, je suis une 32-7. Zlatan qui lance. Oh, il y avait une voiture là derrière. Non. Zlatan vient de lancer. Oui, oui. Allez, ben. La place de. Oui, la place. la 10ème place! Qui va devoir aller chercher juste, pour il a juste espérer passer en 17 millième. 17 millième, c'est juste ce qu'il va devoir chercher. Et là, il est en retard de 27. Allez, non, il faut gagner 17 millième, monsieur. Non, je crois qu'il va pas se faire gêner. Allez, monsieur Zlatan. Alors, ça va passer
Secteur 2. En tout cas, on peut vous dire qu'il y aura deux nozes en Q3. Est-ce que ce sera Nirina ou est-ce que ce sera Zlatan, le deuxième, qui accompagnera Mocha? Deuxième secteur, attention, amélioration de 45 millièmes. Pour l'instant, ça passe. Attention au dernier secteur. Ça va être tendu. Oh, c'est terminé. Oh non, Zlatan. Terrible, terrible. Mais qu'est-ce qui se passe chez les titulaires ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y en a qu'un sur les quatre qui a réussi à s'en sortir. Ouais, non, mais là, tu sais, je sens le... Non, mais on a fait exprès pour leur laisser... leur laisser l'opportunité de rouler. On roule toute la semaine, nous, ça nous va. Nous, on s'est pas trop entraîné, hein. On savait pas si on allait rouler, on nous a prévenu au dernier moment. Ah oui, il est capable de le dire. Parce que Zlatan, il est arrivé à 20h... 20h40 pour... Alors attention, Idrasnar. Attention à ça. Je rappelle que c'est interdit. Donc attention à ça. C'est-à-dire attention à ne pas... Salut Charo TV. Notre 220e follower, ce qui nous suit ce soir. Puisqu'on débute sur Twitch. Hein. Donc on est tout nouveau sur Twitch, mais on n'est pas tout nouveau sur Facebook, puisqu'on était plus souvent sur Facebook. Avec plus de 800... 80 followers sur notre live Facebook, donc... On n'est pas nouveau dans le game. On n'est pas nouveau dans le game, ça fait bientôt 2 ans qu'on existe, hein, je rappelle. Puisqu'en février, on va fêter nos 2 ans. On commence déjà juste la conquête de YouTube, de Twitch. De Twitch, ouais, c'est parce ça. Parce que YouTube, bon, on l'a déjà conquis. Ouais. Et puis, faut... GG Mocha et Zlatan, Movic, ils se tapent une barre sur eux. Ou non, en fait, non, ils pleurent. Et Nirina en Q3. Donc là, on a le chef des nozes. Il est en Q3. Donc c'est ça, c'est Nirina. Hein, deux pilotes en Q3, deux nozes. Nose Mocha, nose Nirina. Wargbot, du coup, qui est ton favori pour la pole. Attention, parce qu'il y a une seconde 4 à aller récupérer sur Idrasnar. Hein. Et lui, pour l'instant, il a mis un peu tout le monde. Un peu. Salut Charo. Charo, il y a des charos qui nous regardent. Ouais, il y a un charo qui nous... Tu t'appellerais pas Thierry 33. En tout cas, Sowiz, notre ami canadien, si je ne m'abuse. Deuxième, Davsi 3, Mocha 4. Mickey Mac et Ismaël se tiennent en pas beaucoup. Comme King Killer. Oui. Rendez-vous en Q3. Ah, putain. c'est ça, hein, du tout. Surtout quand on n'a pas le setup et on ne connaît pas le circuit, on nous dit Piers, Zlatan, ouais, pas facile la Chine. Wargsbot, calmez Idrasnar par contre, va le chercher toi. Et Sowiz est en Guadeloupe. Oh. Pas au Canada, monsieur. Ouais. Ah, je pensais que c'était Canada, moi. Et oui, Sowiz97, son pseudo Twitch, donc je suppose qu'il manque le 2 pour faire 972. Moi, je vois Sowiz999. Ah, ça aurait été 666, ça aurait été différent. Ah, 666, ça aurait été diabolique. Bah oui, c'est Tristan qu'il a, c'est vrai. 971, merci Sowiz. C'est vrai, 972, c'est... Bah ouais, on a deux Guadeloupéens, hein, du coup. 971, c'est la Guadeloupe. Ouais. Et Madidina, là, c'est quoi Madidina? C'est 900. Madidina Martinique. 974, je crois, Martinique. Pas ça, vous, dans le 33. Hein? Je crois que c'est 974, Martinique, non? 974? Il me semble. Hein. Parce qu'il me semble que j'y suis allé. Je sais qu'il passe au Wiz l'année dernière, il y avait une course où il était. Et en fait, il pensait qu'il avait. 21h, pour lui, c'était 21h là où il était. Donc, moi, je me dis, bon. Ouais, il y a un petit décalage ça. Quand même. Je me suis dit, bon, dépasser comme ça, c'est Canada, ça. C'est dépassé comme ça. C'est Canada ou c'est Belge, mais... ça sera un RCR qui va prendre la piste en premier. Et en plus, qui roule avec la monoplace RCR, non ? La livrée RCR. Ouais, vous voyez que je m'y connais un peu dans le game, monsieur RCR Reda.
Ah, c'est vrai que j'ai pas regardé, moi je suis en caméra embarquée depuis tout à l'heure sur les voitures et à part Eh, sortir. je regarde les voitures, moi je ziote un petit peu tout ce qui se passe. On va commencer, on va regarder un peu. De toute façon, toi, c'est toi qui montres aux gens, donc. Et Aurèle qui dit Reda, il voit du Canadien partout. Trop dur Tu as pour assisté moi, au Canada? nous dit Movic. Ouais. Mais ça va. Ce n'est que les qualifications. Tout se passera en piste à la fin de celle-ci, ne vous inquiétez pas. En tout cas, la Q3, c'est maintenant. Le premier tour va être suivi par le chrono de Davzi qui va mettre un petit peu le temps de référence. Davzi, pardon. Et il sera suivi de Warxbode juste derrière et King Killer. Allez, c'est parti donc pour Davzi. Qui débute aussi ce soir, Davzi. Oui, tout à fait. Il nous a rejoint cette semaine, donc écoute. Cette semaine? Ouais, je sais pas, je sais que ça fait un moment qu'il m'avait demandé. Ouais, mais tu dormais. Bah. Je dis bon, doucement, j'ai toujours pas envoyé les... J'ai toujours pas fait la commission du groupe 2. Je reviens vers toi rapidement. 3 semaines plus tard. Hey! Tu veux Hier, rouler à la FASM? tu m'avais dit que tu m'enverrais un Discord de la FNSF. Je pourrais rouler, il faut que tu me dises. Alors, ça donne quoi là sur les chronos? 52, 666. Et Oh, Warxbode sur le deuxième secteur. 53-06-66. Il est en retard de 4 dixièmes. Il y a quelqu'un qui est parti à la faute, c'est le chat noir. et le Avec chat une noir, voiture. en attendant, il est dans le dans la, en Q3. Ouais, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu en Q3. Qu'est-ce qui s'est Bah passé? Alors oui. attention, la table. Oh, il se pousse. Attention à Dapsy Il qui se... arrive dans le dernier Oh, secteur on a là. King Killer qui est parti à la faute. Allez, Dapsy. Ça a l'air d'être bien parti dans les 1:33. Ouais. Et 1:33, 33-3. 1:33-33. Et là, normalement, si on a 4 1:33-356. dixièmes de... Oh, 33-6, il avait un retard il sur est la table. pas loin! Il est pas loin! Warxbod! Ouais. Idraznar, il est en cours de sortie, on a King Killer qui arrive. Ah, Shakismel qui a coupé, c'est tour annulé suivant, ça, ouais, malheureusement, c'était un 34-3. Et il a coupé dans le dernier virage, tour annulé et suivant. Oh, King Killer, Alors, on a qui? ça fonce dans les Ouais, il a... stands. Ouais, Ça parce fonce dans les qu'il a stands. glissé, chat Ouais. noir, bon, lui aussi, ses trucs. Et là, on a So is. Moka. Mocha. Moka, et 34-0. Ouh, ça va être dans les 1:33 qui ça va jouer, chat noir! Non, Insacre. chat noir, il va... Ouh! Il a spin. So is. Idrasnar qui attaque son... Non, c'est Mickey Mac qui attaque son tour. Et Sowiz. So is. So is qui arrive. Ah, Et ça a notre l'air ami... une 33-5, une 33-6. Sowiz! Eh non, une 37. 34-5. J'avais une seconde en trop. On va Allez, on va se mettre suivre. avec Nirina. Allez, Il va c'est arriver. ça. Ouais, j'étais Il attaque dessus. la grande ligne droite. Il a passé l'avant-dernier virage proprement. Soutenu, hein, Nirina par... Par des membres là ce soir là on a Seb. Après est-ce qu'il y a d'autres noses là sur le live? Dites-nous tout un peu, dites-nous qui vous supportez. On a combien là? Moi j'en ai 11 sur Facebook. Et surtout, ce que j'adore, c'est qui vous voyez en pole position. Dites-le nous en commentaire. On a Nirina qui arrive, je pense, en 1:34. Hein. Hey, c'est pas mal, Oh, t'as une 1:33-9. 33-9 Bien, devant bien, ton collègue bien. Moka. Bien, bien, bien. Allez, on va se mettre avec le futur poleman là, Idrasnar. Check, tour annulé. Tour annulé Oh pour oui, il check. a fait Mickey un bon tour. Mac, secteur 3 en violet, monsieur. Il n'a pas le Secteur 2, tu veux temps. dire. Hein? Secteur 2, Secteur 2, pardon, pardon. pardon, pardon, excusez-moi. Oui, mais je vois marqué secteur 3 en haut et voilà. Ne pas Mickey perturber. Mac, et joli Mickey Mac en plus à monoplace entièrement en camouflage, mais bleu. Et bleu ciel, joli, moi j'aime bien. J'aurais vu Allez, du Idrasnar, rouge, lui, qui franchement. avait aussi un secteur violet. Mickey, ça va donner quoi? Oh, Dans le dernier 1:33, il va être en virage. 1:33, il va être en 1:33, voire mieux! Est-ce qu'il va aller 33-8. chercher la pole? Non! Une 33, putain. 33-8. Ouais. Idraznar. La Ça pole. arrive. Dernier virage. Attention à Est-ce pas qu'il va prendre couper. la pole position? Prends bien. Ça n'a pas coupé! Une Oh, 32-8. 32-8! Vladimir. Ouais. Allez.
tour de sortie pour King Killer. Check Ismail qui est repassé par la voie des stands. Sowiz dans les stands. Chat Noir qui a lâché. Mocha qui est dans les stands. On a Nirina qui a lâché. Oui. Qui est en retard. Mickey Max c'est pareil. Allez, on va se mettre en préparation avec King Killer. Putain les gars, dès que je suis ici, je peux pas commenter une course. C'est même pas la fin de la Q3, je me fais déjà. Ça tape déjà sur les murs là. Les voisins ils en peuvent plus. Fais comme moi, n'aie pas de voisins. Voilà. Mais c'est les gens après qui râlent. Hey, on est obligé de baisser le son parce qu'il fait que gueuler. Ah, attends. T'entends ça Salomé? Faut noter ça dans le. Pour le futur appart. Si c'est trop calme, tu vois. Si la raison c'est trop calme, c'est mort. Les jeudis soirs là, ils vont péter un câble. Putain, c'est calme, le mec il est en train de défoncer le. What? FNSF Nicky Mag va faire une bonne course, j'en fais mon favori. Ah! Nous dit le Normand. Oh, on a Veko Squad. Normandie. Veko Squad, oui. Salut, on peut devenir réserviste comment? Eh bien, ne bouge pas, dans 5 minutes, même pas, tu vas le savoir. Ne bouge surtout pas dans 5 minutes, tu vas le savoir, j'aurai rien à dire, rien, tu vas avoir tout en image, ça sera magnifique, dans 5 minutes tu sauras tout. Ne bouge surtout pas. C'est très facile. Et il faudra bien que t'écoutes tout, parce que du coup je pense que tu pourras pas rejoindre en réserve. On ne sait pas, on ne sait jamais. Bah, à part s'il y a une nouveauté dans le matériel. Tu vois ce que je veux dire. Ah ! Pourquoi je pourrais pas ? Alors, si tu disposes d'une manette avec deux joysticks, c'est mort. Voilà, je te dis juste. Notre ligue est entièrement composée de pilotes volants. On a dit qu'on attendait la mi-temps. Ah, pardon. J'attends la mi-temps. Comment tu sais que je suis manette ? On connaît tout le game. Arreda. Hein ? Comment tu sais que je suis manette ? Parce que je le sais que t'es manette, moi, parce que je sais tout. Ah, c'est Reda. Voilà, c'est Monsieur RCR Reda. Nous disposons de... Comment on appelle ça, les... Les oiseaux, là. Ouais, les petites fouines, là, les oiseaux. Un réseau d'informateurs. Ouais, on a, voilà, c'est ça. On a des informateurs partout. Avec 125 pilotes inscrits à la FNSF, crois-moi, de tous les groupes, de tout ce qui peut rouler au monde, on les a. On en a au moins un. Ah oui, avec certains infiltrés qui sont dans 60 Discord, comme Felcoz. FNSF, Felcoz. FNSF, Felcoz, voilà. King Killer est venu à prendre le 6ème temps en 1:34.038. Check, tours de roue. Check il fait des tours dans l'herbe. Il fait pas des tours de roue, il fait des petits tours dans l'herbe. Demande s'ils veulent pas être titu RCRL, groupe 2 au F1SF. Qui? Je ne sais pas. Je n'ai pas bien compris. Veko Squad. Ah. Je n'ai pas bien compris. Qui veut être titulaire hein? C'est bien qui veut être titulaire, quoi. À la RCR? Mmh. Ouais, tu peux y aller, je m'en fous. Non, mais lui il est déjà titulaire, lui. Ah, ouais. Ah, il est titulaire chez vous, d'accord. Il me semble même qu'il est leader du championnat. Ah, du groupe 2? Ouais. C'est là où il y a Bénus, non? Non, Bénus il est en groupe 1. Ah, et il est pas premier. À partir du moment où il y a Sheda dans le championnat. Il est mort. J'ai un volant. Il a peur des chocs, c'est tout. Maintenant, il trempe tous les vendredis, stockard. Ah bah, attends, c'est... Ah, il a dit que c'était, ça l'arrangeait, parce que moi, je l'avais dit à Benus. Il est pas là, lui, d'ailleurs, là, ce soir. Mais non. Et tu sais très bien. Hein. Il a vu qu'il y avait Idrasnar, il a tremblé. je crois que c'est un peu trop fouetté, ce cochon. Depuis qu'il a enlevé le cochon de son pseudo. Ouais. Ça va plus du tout, lui. Et depuis qu'il a mis F1SF, on l'a jamais vu rouler sur la piste. Jamais. Ouais, ou sur des trucs bidons. Hein. Ouais, les trucs... Qu'est-ce qui lui arrivait la dernière fois, là, quand en Australie, il est venu rouler Impossible de récupérer la voiture. Mm. Avec sa connexion pourrie.
Hervé, il a dit, tu ne vas plus rentrer dans ton playseat si tu te gaves de pizza, Reda. Mais c'est juste parce que je suis obligé de manger lentement, sinon je l'aurais déjà fini la pizza. Ah, je crois que je vais la garder pour après la course. Hein. Bon, à peu près, il me reste 3 parts. J'ai un volant Ah en bon? vrai, nous dit Veko, mais je Ah pense que je suis 3 secondes plus lent au tour, MDR. Eh bien, on a un groupe 4 exprès pour ça. Mais attends, dans 1 minute, tu ouais? vas en savoir plus. Que Veko, on tu vas voir. Ça vaut le coup d'attendre. Totalement, bien sûr que oui. Bon, en tout cas, là, qu'est-ce que ça dit là? Check Ismaël qui va arriver sur la dernière ligne droite. Est-ce qu'il va Bien aller joué à tout ça. chercher le top 5 puisqu'il a presque 20 secondes de retard sur les autres? Niki Max à Pit. Ah, il a plus de batterie en plus, il a plus rien, donc je pense que c'est terminé. Ouais, ça va être terminé. Ah, et Warzbot, ça spin, c'est la fin des espoirs de ta Ah, pièce de monnaie. il lui manquait pas grand-chose, hein, presque une seconde. Et une 34, 151 quand même, sans batterie, hein. Il réussit à prendre le huitième temps, check. Soize, il améliore et il prend le secteur 2 en violet. Soize, attention à Soize. Attention, ouais, on Grosse a Capsu qui va amélioration. passer la ligne là. Moka Et ça aussi. fait 32 896. Et Moka, troisième temps, une 33 391. Wartzbot, donc c'était terminé, mais pourtant il améliore Ah, de c'est 3 Moka dans la fin dixièmes. qui améliore. Et Drasna, voilà, une 32,5, eh, c'est bon. On a trouvé le poleman, je trouve, je pense. Mais attention à Sowiz, non, pardon, Non, Wartzbot, il a tout. Warxbot, il est mort. Il Sowiz, a tout gagné. améliore de 6 dixièmes. Prend la sixième place en 1,33 862. Oh, il y a eu du beau chrono, hein. Ils sont Ouais, en très forme, les très beau chrono. réservistes, là. Et là, ils ont Ouais. envie de nous faire, tu vois, ils ont envie de Nous en nous mettre plein la tronche, faire là. plein Ouais, la non, mais tronche 4 et dire, CV. eh, vas-y, nous, on est meilleurs que les Avec des réservistes de titulaires. groupe 4, hein, quand même, qui. Et Voilà, King qui Killer, occupent. oui. Ouais. Nirina aussi, non? Ouais. Nirina aussi, oui. Intéressant, intéressant. Ils ont des réservistes du groupe 1. Je sais pas s'ils ont mis la trage là. Tamar et Je Ismaël. sais pas, je sais pas. Je pense qu'ils se mêlent, je pense pas. Je ne sais pas du tout. Et après, bah c'est groupe 2 Power. Désolé, je vais devoir parler doucement parce que sinon je vais me faire frapper. T'inquiète pas, je suis là pour te remplacer si besoin. Ouais, mais j'arrive pas à ne pas crier. Allez, les jeux sont faits, donc nos 19 pilotes ce soir sont maintenant tous classés. On va leur rappeler, si on peut leur rappeler qu'il faut patienter 5 minutes via notre Discord. Donc la course partira, je pense, sur les coups de 22h21, 22. En attendant, Ouais, nous allons 21, vous 22. faire patienter. Ben, n'hésite pas à leur dire, hein. Si tu peux m'aider Alors sur après, ça. faut que je prenne mon Ah téléphone non, quand ne même. dis pas, ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas. Je m'en occupe. En attendant, on va se retrouver d'ici quelques instants. On va vous faire patienter tranquillement à la découverte de notre championnat. À tout de suite. Vous suivez ce soir le live de l'un de nos quatre groupes de la F1SF. Laissez-nous vous détailler notre championnat. Tout d'abord, la F1 Simulator France se veut, comme son nom l'indique, axée sur la simulation. Ainsi, tous nos pilotes ont l'obligation d'être au volant avec un passage des rapports de vitesse manuel uniquement. Pour cette quatrième saison, quatre groupes rouleront donc. Le groupe 1 d'abord roule le lundi soir à 21h. Ils n'ont aucune aide à la conduite, seul leur talent suffit. Le groupe 2 roule le jeudi soir à 21h. Il s'agit de pilotes expérimentés qui ont uniquement droit à l'ABS et à la trajectoire. Toutes les autres aides sont désactivées. Le groupe 3 roule le mercredi soir à 21h. Il s'agit de pilotes méritants qui ont droit à l'ABS, à la trajectoire ainsi qu'à l'antipatinage en intermédiaire. Aucune autre aide autorisée. Le groupe 4, quant à lui, roule le mardi soir à 21h. Il s'agit de pilotes amateurs, voire débutants ou nouvellement arrivés dans le championnat. Ils ont les mêmes aides que le groupe 3. Nous recrutons des pilotes de tous niveaux et avons toujours besoin d'en avoir sous le coude pour remplacer nos éventuels absents. Alors, vous souhaitez piloter dans notre championnat? Rejoignez notre groupe Facebook en tapant F1 Simulator France dans la barre de recherche. Le nom d'un administrateur vous sera alors communiqué afin que vous puissiez le contacter. Vous ne pilotez pas, mais vous souhaitez tout de même nous suivre. Avec grand plaisir. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook F1 Simulator France.
Vous y trouverez les classements constructeurs ainsi que les informations sur vos pilotes préférés et sur les événements organisés. Pour finir, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos lives et merci encore. Pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook Live F1 Simulator France ainsi que sur Twitch où nous débarquons également cette saison en tapant dans la barre de recherche F1 Simulator France. Wow. Vous recevrez ainsi toutes les notifications de live et ne raterez aucun départ. Vos vues, c'est également ce qui nous permet de nous améliorer dans nos diffusions et de vous apporter du contenu toujours plus sensationnel. Encore merci à tous, nous vous souhaitons une très bonne course et rendez-vous au premier virage. Parce que je suis en retard. Mon petit chou, arrête! Ouais, non, faut pas. Et la crème, c'est les Marseillais. T'as pas vu Reda? Ouais, la crème. Ouah, c'est trop bien. Righto, what's going on here? Sir, I'm arrested. La FASF, c'est comme une grande famille. Sauf que le papa, c'est un dictateur. Allez, de retour sur la piste et il pleut! On n'avait pas fait attention à ça pendant qu'on était... Oh, la musique. La vidéo de merde. Il y a la caméra, je pense que c'est Noka qui a mis sa caméra. C'est ce que j'ai cru... J'ai cru... apercevoir, donc je vais copier directement le lien. Je pense que c'est Noka parce que tout à l'heure, il y a... Bah, je l'ai vu tout à l'heure, il s'est connecté, mais il savait pas comment ça fonctionnait. Tac. Il est aussi vite reparti. Oui, c'était moi. Pas de soucis, Moka. Je fais le nécessaire. Est-ce que c'est toi maintenant? Oui. Je l'ai cru l'apercevoir pendant que je ziotais en attendant l'heure fatidique. Hein. Avec une caméra like Mickey Mac. Voilà, on rentre dans l'intimité, c'est aussi ça la F1 Simulator France, c'est pour vraiment jouer le jeu, on rentre dans l'intimité de nos pilotes, comme vous pouvez le voir à l'image, s'il peut nous faire coucou, s'il nous entend, Moka, parce qu'en fait on voit bien sa télé, mais on le voit un petit peu à gauche, il est dans l'ombre, là, il est caché, avec son téléphone dans les mains. Mais sur son téléphone. Ouais, voilà, ouais, impeccable. Ouais, coucou, merci Moka. Donc il pleut. Est-ce que c'est pour ça qu'il y en a certains qui n'ont peut-être pas tout donné hein, en qualification? Est-ce qu'ils n'avaient pas des setups pluie par hasard? Je pense que, à mon avis, ils étaient tous en setup sec et ça va être galère. J'ai essayé de regarder sur la caméra de Moka. C'était pas. Voir toute la course. C'est pas Moka? C'est Niri... Je crois que c'est Nirina. Pour moi, là, c'est... Qui, pour moi, c'est Nirina. De toute façon, je vais zioter un peu. Pour moi, c'est Nirina. Je l'ai vu se lever à un moment donné être devant la caméra, et pour moi, c'est Nirina. Hein? Ah ouais? Ouais. Moi, tout à l'heure, c'était... J'ai reconnu, parce que c'est la seule tête que j'ai vue de la journée, c'était Moka. Ah, le soleil arrive, on nous dit. Une autre photo, donc, à part quand il a mis le dromadaire, après tu sais, il avait envoyé une autre photo de beau gosse là. Ah ouais. Et je l'ai vu, je dis ah. Non, ouais, là c'est Nirina. Bon, ouais, les gars, je sais qu'il pleut, et là, si vous attendez qu'il fait beau. Ouais, c'est Nirina. Vous pouvez y aller. Aurélien, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Je vais devoir parler doucement. Parce que sinon, on va se faire expulser. Tu vas te faire un défense. Moi, je vous rassure, je peux parler fort. Ah. Pardon, je voulais Alors, pas vous... J'en profite du coup pour
dire le message de soutien de Seb, le fan des Noses, qui a dit « Allez les Noses, il faut... » Non, on s'envoie maintenant. Et on a David. Coucou Brady. Salut les gars. Salut les gars, je roule exclusivement sur Gran Turismo en ligne avec un volant rond. Est-il vraiment nécessaire de rouler avec un volant F1 pour jouer sur de la F4 ou mon volant F4 suffit. F4, alors non, on ne sait pas, on ne peut pas te dire, on n'est pas en F4. À mon avis, je crois que... Non, mais pour sur Gran Turismo. Après, moi, je ne roule pas sur Gran Turismo, mais volant pas obligatoire. Rond, il y en a plein, hein, qui roule. Ouais. Tu sais quoi, David, si regarde un peu. Voilà. Volant rond. Logo TSR, c'est dit au passage. Non, c'est F1SF ici. Attends, il est là. F1SF. On est sponsorisé par F1SF, pas par la SR. Excusez-moi, monsieur, sinon c'est 15 000 euros. C'est pas mon volant, c'est celui de F1SF Salomé. Ah ! Qu'on embrasse, bien entendu. Qui s'est permis de customiser le volant qui n'est pas à elle. Avec une play qui n'est pas à elle aussi, j'ai un gros logo RCR devant la tête. Alors, détail. Les pneus, tout le monde est en intermédiaire ? Oui, tout le monde est en intermédiaire, monsieur. On va faire un petit rappel approximatif, voire direct de cette grille de départ qui vont partir sur 28 tours. Pas totalement sous la pluie. Bah ça va être très intéressant parce que la Chine, c'est un circuit qui use. Alors, je sais pas dans ce jeu, mais de base, c'est un circuit qui use les pneus. Tu peux pas faire soft medium, quoi, tu vois, ou soft hard, c'est très très dur. Les pneus soft, ils tiennent 6 tours. Je sais que dans le 2020, c'était ça. Et dans le 2021, il y était le... Oui. Non, il était pas dans le 21. Le Chine ? Non, il y était pas. T'es sûr ? Ils vont pas rajouter ? Oui. Mais il n'y était pas. Chat noir bug pas mal devant Zlatan. Ouais, comme d'hab. Alors, faut que Zlatan y passe très vite. Allez, Draznar partira donc en pole position, suivi de très près par Davsi. RCR Davsi. Davsi. Le premier Nose, il est troisième, c'est Nose Mocha, qui est suivi de proche à la quatrième place par Warsboards.screw. Le premier F1SF, c'est Mickey Mac, qui est classé à la cinquième place, le pilote titulaire du groupe 2, que vous pouvez retrouver donc tous les jeudis soirs, dès 21h, sur les chaînes de la F1 Simulator France. Sixième, on retrouve... Sixième, on retrouve Sowiz. La septième place, c'est le second Noz, c'est Nirina, qui est en caméra ce soir, puisque moi, je suis sûr que c'est Nirina. C'est lui, je suis sûr. Je vais le valider, là. King Killer, réserviste du groupe 4, est à la 8e place. Check Ismail, 9e. Chat Noir est à la 10e place. Noz Zlatan, le titulaire du groupe 2, est à la 11e. Le titulaire du groupe 3, Piers, F1SF Piers, est à la 12e place. À la 13e, on retrouve le dernier Noz, c'est Mobic, à la 13e. Donc, 14e, on retrouve Arnaud. 15e, Nocta. 16e, on retrouve F1SF Alex Ruby. 17e, on retrouve F1SF Cacarotte. 18e, LZC Flowfox et 19e place Rob Daddy. Nous sommes sur le championnat des réservistes de la F1 Simulator France. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Ah, les caméras pourries. Ils ont quand même embarqué, mais... Oh, il y en a deux qui bug. Caméra pourrie. Écoute, ça a l'air de bien se passer. Ça a l'air... Ils sont trois. Ça a l'air d'être bien passé, ce premier tour. Pas de dinguerie. Ouais. En tout cas, je te dis, ceux qui bug, c'est Chat Noir et Movic. Hein. Ouais. Bon, heureusement, ils sont... Oh là là, ça y est, ça s'est chopé, là. Ça s'est chopé. C'était qui là? Ah. J'ai pas vu. Il est là. Ah. J'ai pas vu, mais j'ai pas vu qui a cassé. Et Flowfox, qui a un super départ, qui se retrouve 11e. Et là, sous la pluie, là, ces conditions sont dantesques et c'est one again.
Arnaud qui est en perdition là. Je crois qu'il est limite à la. Il fait passer tout le monde. Il Nirina a plus d'allant. Il a perdu aussi beaucoup de place dans l'histoire. Nirina, est-ce qu'il est complet? Il a un aileron complet. Je pense qu'il ne prend pas trop de risques. Il y a un petit train là qui est en train de se former derrière le leader. Mais. Ouh, ça se décale, hein. Ça... Ouh, ça se redécale. Darcy sur Mocha qui se montre bien dans les rétros là. On a l'Indien Warxbode. Il a fait une voiture Force India d'ailleurs. Ah, c'est ça aussi. Ouais, c'est ça aussi. Pour moi, c'était Rasta Rocket. Mais c'est aussi ça. So is. Il y a un gros problème au niveau des intervalles là. Enfin, jamais ils vont régler ça. Zlatan qui passe sur Flowfox. On n'a pas de passage au stand. Si, ça y est, il y en a deux qui plongent. C'est King Killer et Arnaud qui passent par la voie des stands. Avec, et ils foutent un drapeau jaune dans le. Oh là là, ce jeu. Allez, les intervalles là qui se décalent. On a Mocha qui a réussi et qui. Non, qui a réussi. Qui recolle, pardon. Qui recolle bien. Il a fait un bon premier secteur Mocha là parce qu'il y avait Dafsi qui était sur le point de le dépasser et là il lui a mis une seconde dans le dans l'escargot là, je pense. Et là il a bien recollé. Hein. Je vais juste mettre la télémétrie, voir au niveau de la batterie ce qui se joue puisque Yzdrasnar ne l'utilise pas beaucoup par rapport à Mocha qui tire dedans. Dafsi non plus ne s'en occupe pas. Mais Mocha, il a envie de coller. Il a arrêté de pleuvoir, là, non? Non, il pleut toujours. Comme on nous a annoncé. Ouais, on nous a annoncé de la pluie qui allait arriver. Donc, du beau temps, pardon. Que le soleil viendrait... À mon avis, dans pas longtemps, il va commencer à... Arrêter rapidement. Ouais. Tout à fait. Ça va être intéressant. Et Mickey Mac, monsieur. Oh, Dalia Mardo. Oui, j'ai dit Dalia Mardo qui... Oh non, mais il était... Il sortait des stands. Ouais. Eh ben, safety car. Safety car virtuel. Virtuel, pardon. Bonne soirée, Arnaud. Merci d'être passé. Donc, Arnaud, quand c'est pas championnat qui a. Il peut aller s'entraîner. Il va aller s'entraîner pour Miami. C'est la semaine prochaine. On revient dans le game. Les deux nos qui se battent. Oh, et Movic, bon. Attention au drive-thru. Il y en a pas. Hop. Oh, j'ai cru voir. Salut Zeltar. Les dos. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe entre Flowfox? On a perdu Flowfox. Ouais. Flowfox, hein, est-ce qu'il a du dégât? Il n'a pas l'air d'avoir du dégât. Juste, je pense, de la... Qui c'est qui attaque comme ça? C'est Chano. Il est joli, sa monoplace. Oh, ça sort large hein, pour Kakarot. Hein. Sand d'alerte ne marche pas. Ah, c'est ça que je te vois faire avec tout ça, là. Je ne comprends rien, Isaltar. Je comprends rien à Twitch. Alors, viens pas m'en parler. C'est pas moi qu'il faut voir ça. On a deux noses hein, qui se suivent. Ouais. Ouais, mais le problème, c'est que Nirina, en fait, il est bloqué par Movic. Parce que. Qui en plus. La connexion, il se téléporte un peu de partout. Ah. En plus, on le suit, on peut le suivre. On a des petits lags sur sa caméra. Ouais, il a pris un peu ses... On suit Nirina. Son espace, ouais. Et là, il va se faire attaquer par Flowfox qui, lui, est parti à la faute. Bon, ça sent l'attaque. Ça a mis la pile pour les deux. Et pendant ce temps, Yzdrasnar, lui, il a décidé de s'enfuir. Hein. Il a poussé un peu sur la batterie. Est-ce qu'il y va, Flowfox? Ouh, freinage. Non, il se range. Hein. Ouah, ça touche, hein, par contre. Ça s'est chatouillé les fesses. Entre Flowfox et Nirina. Ah, ça lui a mis un petit doigt là. Ça. Oh, par contre, Zlatan qui passe. Peut-être par l'extérieur. Maintenant, l'intérieur sur Nocta. Non. Nocta qui reste devant. Oh, c'est osé. C'est osé et propre de la part des deux là. À l'accélération. Ça va passer. Zlatan.
Non, 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 ça passe pas. Hein. Ça ne passe pas. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ah, ils vont se battre, hein, les deux là. Non, non, mais non, ça passe pas. Hein. Ouais, ouais, Rob Daddy, il a faim lui aussi. Mais attention, Rob Daddy a pas trop avoir faim non plus. Dans le deuxième secteur, c'est bon. Ah, c'est passé, hein, c'est passé, pour Zlatan. Ouais, c'est très propre entre les deux quand même. Ah, c'est magnifique. Voilà, qu'il peut voilà faire, attention. Non, je trouve. Ah, non, je trouve pas qu'il. Qui pleuve pas moins ou plus. Non, non, ça a pas bougé. J'étais en caméra Rob Daddy et comme il se rapprochait des deux, du coup, ça faisait double spray. On a Check là qui s'est rapproché de Sowiz, hein, et il attaque un petit peu la batterie là. Peut-être que ça peut passer sur le freinage. Ça se décale. Non, ça se range. Hein. Pas au freinage, c'est même trop risqué. Il va essayer de repasser. Beaucoup plus tôt. Par contre, Kakarot, il est à l'attaque sur Alex. Hein. Il est collé, hein, collé. Les deux F1 SF. Et il passe. Kakarot qui se décale, ça passe, attention maintenant. Ouais, il faut pas trop non plus se refermer. Hein. Ouais, regarde Alex. Oh, hop, hop, hop. Ah, et check. Check, il est où? Je crois qu'on a évité une catastrophe là. Non, c'est Mickey Max, ça. Check, ouais. Dommage, Rob Daddy qui est passé sur Nocta. Oui, je t'ai dit, ouais, ouais. Juste avant dans la ligne droite. Ouais, ouais, j'ai pas vu, j'étais sur les deux F1 SF là qui se tirent un peu la bourre. Non, il y avait un avant. Il y avait, Sheik qui essaie de dépasser. Ah, bah oui, oui. Je sais plus qui. En tout cas, je suis ravi, j'ai réglé mes problèmes d'image perdue là. Il n'y a pas de lag. Zlatan qui a failli la perdre et qui du coup revoit Nocta revenir dans le... Et Rob Daddy qui passe. Oui, et ils sont gros contre gros. Attention à l'accrochage là, Zlatan. Et Rob Daddy qui vient s'écraser contre le mur. Non, il a pas touché. En plus, c'était quoi tout à l'heure, j'étais avec Rob et du coup je dis, ah, c'est dangereux. Oh là là. Ah mais j'ai vu le pneu arrière, il est monté sur le vibreur et puis elle a fait... Doucement, ah ouais, toute seule. Caméra de face aérienne. Je veux partir. Je dis parce que attention. Tout à l'heure, j'étais sur Rob et je me suis dit, faut pas que je reste sur lui parce qu'après, je risque de crier. Et comme je suis restreint. Mickey Mac qui passe sur Nocta. Nocta, pardon. Mais Mickey Mac, ah oui, non, il a perdu. Ouais, Mickey Mac, il est passé sur Nocta. Il remonte à la 8ème place. Aussi, hein. Ah, attention, Nocta qui a peut-être pas dit son dernier mot. Et King Killer qui la perd et qui a perdu son aileron. Oh, ça sort large là pour Mickey Max, ça sort large, et donc Nocta qui en profite et qui va passer. Il y a toujours une bagarre entre Alex et Kakarot pour la même occasion. Ouais, Alex qui est revenu à recoller, il était à plus d'une seconde. Kakarot qui a dû faire une petite erreur. Mickey Max qui recolle encore sur Nocta. Il va passer. Non, ça va rester. Ça va rester derrière. Zlatan, il est tranquille. Dafsi, ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que là, dans un tour, tout le monde va plonger dans les stands. Et on va terminer 22 tours sur le sec. Pour moi, 21 tours. Il y a encore de la pluie. On va tenter, là, vu qu'il doit rentrer au stand, vu qu'il a plus d'aileron. Ah, bah oui. Avec lui, je vais voir si il va. Ah, oui. Tout à fait, Thierry. On va se mettre de suite avec lui. Oui. Putain. Je fais pas une Hamilton. Hein. Je suis dans le stand de King Killer. Le vainqueur de la course du groupe 4 de la semaine dernière à Imola. Et on va tout de suite voir quel type de pneus va-t-il choisir. Et il choisit les pneus intermédiaires. Il prend pas de risque. Aucun risque de la part du pilote Idrasnar. C'est dommage, il a tout perdu. Il aurait dû mettre des hards. Il a tout perdu. Ouais. Et là, ouais, il aurait mis des hards. Et parce que là, il risque de se prendre un tour. Il a tout perdu. En tout cas, là, on a Mocha et... qui se battent pour la première place pendant ce temps-là. Regarde, il y a plus d'eau qui est évacuée par les pneus. Il y a plus d'eau qui est évacuée par les pneus. Les meilleurs tours commencent à être faits. Dans le tour 8, le DRS il va limite être activé. Non, je crois que ça met du temps un peu sur. Regarde, la piste elle est sèche. La piste est entièrement sèche. Mickey Mac.
Ultima qui est passé. Ouais, j'étais focalisé sur les pneus, mais là, il y a tout le monde qui doit piter. Et derrière, Alex Rugby et tout, ils sont passés. Mais pourquoi ils pitent pas? Mais piter, bon sang de soi. Je comprends pas que... Que King Killer, il est pas tenté, là. Ouais, non, King Killer, il a perdu énormément. Il aurait dû mettre des hardes. Ouais, quitte à rentrer, autant... Ah oui, non, mais c'était... Ouais, là, et en plus, il glissait même pas, quoi. Parce que, regarde, c'est sec, il y a plus d'eau. Donc là, ça va être très intéressant de suivre. Qui va plonger? Alors, regarde, il pouvait mettre des médiums, parce que, bon, vu qu'il est dernier, pour oui. Un peu de temps. Oui. Bon, après, c'est pas... Il a tout perdu, là. Ouais, là, il a tout perdu. Bon, il avait déjà pas dû gagner grand-chose. Ouais, non, mais il aurait pu se rattraper, bien ouais. Rattraper. Là, il se rattrapait bien. Il remontait à 30 secondes des mecs de devant lui au lieu d'être à une minute, quoi. Non, il aurait été pareil, il aurait quand même été à une minute, mais par contre, derrière, on va dire que derrière, il aurait été qu'à 30 secondes, quoi. Parce que quand tout le monde aurait ravitaillé, il aurait été à 30, plus qu'à 30 secondes. Ouais. C'est-à-dire que là, il sera toujours à une minute. Oui. Et ça pite pas devant! Ça ne pite pas, mais pitez, bon sang de soi, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et si un pilote m'entend, mais pitez! Je pense que Flofox lui va tenter le pari, là, à mon avis. Rob Daddy qui passe, en plus, sur Movic. Mais il faut pitez! Je sais qu'Alex, il nous écoute en même temps. Je sais qu'il nous écoute, mais faut rentrer! Je crois que c'est encore trop tôt. Il peut attendre encore un tour, le père Alex. Oh là 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 là. Oh là là, et Rob Daddy, il est en forme. Rob Daddy, c'est... Hey, cassez-vous, là, j'ai pas le temps. Je suis 11e, j'ai tout perdu parce que j'ai glissé comme un con sur un revibreur. Allez, King Killer, là, c'est toi, là. Il faut rentrer, il faut faire quelque chose. Il allait... Il va se prendre un tour, là. Ah ouais, il est juste derrière lui. Il est juste derrière lui, il est collé. Il est vraiment pas loin. Rob, c'est Luigi dans Mario, nous dit Isalt. Et Kakarot qui... Ah non, parce que du coup, c'est qui ça? C'est Nirina qui fait... Qu'est-ce qu'il va faire, King Killer? Mais il n'y a plus d'eau qui sort des pneus. Il n'y a plus rien, mais la piste, elle est sèche, quoi. Mais lui, ça sert à rien qu'il rentre, il va prendre son tour là. Lui, faut attendre qu'il y ait une safety car là et qu'il récupère son tour, sinon. Mais il faut qu'il pite avant les leaders. Mais ça pite pas. Et les leaders, personne pite. Mais ça pite pas. Et Mocha. Non. Mais Mocha plonge. Mais Dapsy là, mais c'est quoi ça? Mais plongez dans ces voies de stand là. Mais vous allez gagner énormément, mais putain. Towiz, non, Pierce. Pierce, là, t'as rien à gagner, c'est pas très grand, t'as plainte. Mais c'est pas vrai, y'a personne qui passe par la voie des stands. Tant qu'ils voient pas un couillon rentrer, ils vont rester dehors. Comme bon français, hein, des beaux moutons. Oh là 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 là. Y'a plus d'essence, on va tous à la pompe. C'est ça, putain. Dans l'escargot. Et check Ismail qui passe sur ouais, sur Nocta. Nocta il va le décroiser là. Ben, oh là là, c'est collé. Qui freinera en premier, il freine en même temps. Mais ça repousse le freinage pour Nocta. La fermeture de porte de la part de check. Et Ismail qui profite à Rob Daddy. Je suis sur Rob, je me mets la main sur la bouche parce que ça... Ça peut partir à tout moment. 10e place pour Rob Daddy. Ah oui, les échappements de King. Mais tu vois, là maintenant, attends, mais le secteur 2, il est mouillé. Mais parce qu'ils sont passés hors trajectoire. Donc forcément, c'est mouillé. Ouais, tout à l'heure, ça, ouais, je crois que c'est ça. Eh, hey, Dapsy qui attaque Mocha qui passe. Hop, 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 hop. Oui. Et donc, Mocha, en profites-en! Je sais pas, moi. Allez, passe par la voie des stands. Eh ben oui. Mais oui. Mais oui. Bravo, King Killer.
mais me remets pas les intermédiaires, s'il te plaît. Non, il va aller au centre pour abandonner. Attention, ça rentre par la voie des stands pour King Killer. On l'attend sagement. Et oui, et ça m'aidera. Enfin. Oh, voilà. Ah. Ouh. Allez, Zlatan. Zlatan. Moi, je vois bien un va-t-il... flow. Allez, Alex. Ça passe par le... C'est le King Killer qui sort des centres. Oh non, ça met les médiums. Ouh, ça met les médiums pour Zlatan. Ça va aller chercher du gros, ça. Ça, c'est poussez-vous, j'arrive. Hein. 18 tours à faire sur les médiums. Est-ce qu'il ne tenterait pas non plus? Un pilote Sunday Cup, c'était obligé que ça l'attente, là. On est dernier, on y va, allez. On est dans le trafic, on est englué. Ça met des hardes. Attends. Vous me fatiguez sur Twitch avec vos sounds d'alerte, là. Je sais pas, je les entends pas et ça ne marche pas. Je sais pas comment on fait. Mais voilà. Tout simplement. Donc je ne sais pas comment ça marche. Excuse-moi, French Bad Karma. Ouais, moi, ça a l'air de tenir en tout cas là. T'as regardé qui? T'as regardé King Killer ou t'as regardé un peu. Non, je vais pas regarder King Killer. Mais je vais regarder Zlatan. Moi, je regarde King Killer là. Et il repleut. Il y a la pluie qui. Secteur 2 qui... Oh, c'est qui? C'est Flo Fox? C'est sorti? Non, ouais. Non. Non, non. Alors là, c'est le moment de sortir un peu les... Oh. Alex Rugby, là, il se rapproche... Allez. Attends, et Yamoka... Ah, ça y est, là, Dafsi, là, qui a compris, qui passe par la voie des stands, parce que les leaders ne le font pas. Ils ne passent pas par la voie des stands. Warxbod vient passer par la voie des stands. Ouais, je crois que c'est pas encore le bon moment, parce que là, dans le secteur 2, 31-8 pour... Et 33-3 pour Zlatan. Je pense que c'est le moment là, ça y est, tout le monde passe par la voie des stands. Hein. Mais c'est peut-être. Il y a de la bagarre là. Kakarot et Alex, ça se bagarre toujours. Dafsi Medium. Warxbot Hard. Ah, mais Alex, il va piter là. Allez, voilà. Et oui, il y va. Il y va. Et regarde Zlatan. Il récupère là ses places là. Il remonte. Ah, par contre, et c'est sorti dans le dernier virage, enfin dans l'avant-dernier virage, enfin dans le virage du premier virage. Là, allez. Ouais, bonsoir, bonne nuit. On va refaire un petit tour là au niveau de changement de position. On a Rob Daddy qui a gagné 14 places forcément. Il y a du monde capité devant lui. Ah. Excusez-moi, je bois un coup. On a Kick Killer qui a perdu 10 places malheureusement. Je pense qu'il aurait. Il est copé de 10 secondes de pénalité pour un virage coupé. Ah ! Bonjour ! Je crois que Flo Fox, là, ça rentre au stand pour aller se coucher. Ouais, ah, ça veut dire. Allez, là, je suis énervé. Merci, Flo Fox. Ça bloque tout, hein, pour Alex Ruby, là. Oh, il y a quelqu'un qui était dans le. Oh, là, on a Rob Daddy qui est parti faire un petit tour dans le. Oh, non. Dans l'herbe ? Parce que là, les pneus, ils sont en train de souffrir à mort. Regarde le Hydrazna, regarde le Mocha, ça y est, ça pite là. Et ben on va voir où est-ce que s'ils veulent regagner un peu de temps. Allez, Pierce, Mickey Max, ça pite. Mais ouais, mais les gars, regarde Dafsi, regarde Dafsi. Regarde Dafsi. Kakarot qui s'est sorti. Regarde Dafsi. Regarde Dafsi. Et non. Et si, il passe sur Mocha. Mocha, mais 4 secondes 7. Voilà. Attention, chat noir. Par contre, est-ce qu'il va le... là, il va le rattraper. Et DRS activé. Zlatan. DRS activé, monsieur. Zlatan. C'est Zlatan qui oui, monsieur. Il va remonter sur tout. Ça attaque fort, là, pour Zlatan. Meilleur temps. Ça attaque très, très fort. Et Dafsi qui a des pneus... Attends. Excusez-moi. Excusez-moi. Que font Nocta et Movic avec leurs intermédiaires? Eh oui, chat noir! Oh là là, mais non, mais c'est quoi ce chat noir? Il met les médiums, c'est pour les éclater. En sortie de stand, hein? Boum. Ah ouais, oh là là, ah ouais, mais dès la sortie. Il y a du coup, ouais. Nirina, Mocha et. Nokia et Movic là. Oh bah Movic ça spin. Ah non, c'est juste le. Un arrêt gratuit.
mais un arrêt trop tard. Voilà, ça va les faire ressortir, je sais pas si c'est combien. On est là, 12e, 13e. 12e, allez, ouais, 12e. Bon, Movic, 11e, 12e. Non, il est parti tout droit. Non, en fait, c'est, il bug. Il bug de ouf. Ouais, ouais, Movic, safety car et départ, hein, c'est mort. Hein. Non, mais là, il est tout seul sur la piste. Je le vois aller tout droit. Oui, oui, non, mais je le vois moi aussi. Il est en train de faire des slaloms, mais en ayant le volant droit. mais trop tard, ils ont tout perdu, eux deux. Ils ont tout perdu. Non, parce que là, ils vont gagner les places sur... Ils ont tout perdu. Ils vont ressortir devant Shecky Smell, je pense. En tout cas, devant Abdadi, sûr. Oui. Ils vont faire 10 et 11. En plus, Movic, sous safety car, il va faire scier les cerveaux à tout le monde parce qu'il va se téléporter à balle. Oh là là. Ouais, je sors de sa caméra. On va voir un petit peu derrière. Allez, Nokia, ça met des médiums. Ça a poussé pas mal de médiums, peut-être. Ils peuvent, hein. Nokta, Movic aussi. Ouais, ouais. Donc là, hey, check Ismail qui passe par la voie des stands, il va mettre des médiums. Eh oui, ça met des petits médiums. Il a vu tout le monde en médium, un peu comme les gens... Ah, ça va mettre de l'essence ? Bon, bah moi aussi. Allez, vous avez vu les pneus ? On n'en a plus besoin maintenant, hein. C'est bon. Ces affichages pourris, on voit rien. On n'a pas les nôtres. Donc la prochaine fois, on les nomme. Selon leurs résultats, on leur assignera les vrais monoplaces. Pour qu'on puisse avoir... Peut-être pour ça que tu peux pas le mettre. Bah oui, c'est pour ça. J'ai essayé tout à l'heure. Et non, il y a no data. C'est parce que c'est pas les vrais monoplaces. Mmh. Donc, on saura que ça ne marche pas avec les monoplaces multijoueurs. Et qu'il faudra seulement les vrais. Donc, on leur assignera lors de leur prochain événement réserviste mini-championnat. Qui maintenant sera dans 5 semaines, puisqu'on va attaquer, rattaquer dès lundi la semaine de championnat à Miami. Dont malheureusement Nana et moi n'en ferons pas partie lundi, vous n'aurez pas affaire à nous deux en cabine. Mais vous aurez affaire à notre cher F1SF Wanda et F1SF Isaltar. Oh. Donc je pense qu'ils vont s'amuser tous les deux. C'est vrai que Isaltar avait postulé pour venir faire une petite pige à un moment donné, en réserviste. Et ça nous fait, ça nous fait extrêmement plaisir. Donc c'est avec grand plaisir que Wanda, suivre, les amis. Que Wanda sera assistée par Isaltar pour commenter ce groupe 1 dès lundi à 21h sur nos réseaux habituels. N'hésitez pas à vous abonner. Twitch. Merci. Avec, bien évidemment, les rediffusions sur notre page YouTube. F1 Simulator France. 33€. Il y a même les résumés. Si vous avez la flemme de vous retaper toute la course, ah oui. Bon, vous cliquez dessus, vous regardez un peu comme ça, histoire que ça fasse une vue. Et après, vous allez voir directement le best-of. Exactement. Il dure à peu près 3 à 4 minutes. Mais juste si. Au moins. Vous savez tout. Exactement. Mais bon, après, c'est vrai que le mieux, c'est quand même de suivre toute la course. Parce qu'après, après, faut arriver à suivre dans les, comment on dit, les private jokes. Ils ne sont plus si privés. Et du coup, c'est en fonction de... On voit ceux qui suivent et ceux qui suivent pas, quoi. Exactement. Ça, oui. Donc, du coup, je me rends compte qu'Alex, quand il a fait son FNSF, lui, il a mis le tiret du 6. Il y en a beaucoup, hein. Ouais. Enfin, lui, salut, même, salut Gat. Ouais, ouais, quand même, celui, tu sais, qui fait partie... Attention, elle rentre. Oh bah, safety car in this lap, safety car in this lap. Alex Rugby qui fait partie des murs, quoi. Hein, ouais. Mais qui prouve bien qu'on peut être un même. Gros tocard en ayant fait partie des murs. Ah ouais, je... murs, ouais, mais... Je m'en profite pour dire que c'est quand même le F1SF qui est réserviste et qui parle sur tous les canaux de... Qui nous saoule, ouais, ouais, c'est vrai.
Hein, un message dans le discussion groupe 4, qui c'est qui vient répondre? Alex. Groupe 2, Alex. Alex. Parole au pilote, Alex. Alex. Heureusement qu'on a bloqué les trucs d'admin. Après, il va dire, ouais, je bosse 50 heures par semaine. Ouais, bien sûr. À d'autres. Allez, bosse plutôt sur tes circuits, hein. Allez, attention à la relance de Hydraznar qui va se présenter d'ici quelques instants. On va être à bord de Mocha. Ouais, King Killer, il est vraiment... il est dans le paquet, non? Ouais, il est entre qui et qui... Après, je vois pas qui c'est. Bah, il est derrière le quatrième, je crois. Et bah, il est devant Pierre. Allez, ça relance. Ils se sont pas fait endormir. Ouh, Mocha, il s'est pas du tout fait endormir, hein. Ça va Nirina qui pite. Passe direct par la voie des stands. Me dis pas que tu vas mettre des softs. Hein. King Killer, ouais, qui laisse passer. Hein. Drapeau bleu. Dommage pour lui. Movic et Rob. Hein. Ça se bat. Mais je pense que Rob Daddy, il est en train de se dire, faut vraiment que je me casse. Parce qu'il a gamin. Oh la vache. Je pourrais pas conduire avec ça. Mocha là, je crois que c'était pas fait exprès. Il a freiné super tard, enfin il a loupé son freinage et là du coup il attaque. Il attaque Hydraznar. Mocha, c'est dur. Ah, Mocha, je croyais Nocta. Oh, et c'est chiant, ils ont les noms qui sont. Ils se ressemblent. Et du coup, en fait, il y a eu un freinage. C'était pour éviter Dafsi, du coup ça a fait comme un dive. Dafsi, bah, du coup il a. Il l'a un peu évité et du coup il est passé du coup Mocha. Oh, oh là là, j'ai cru qu'il glissait de l'arrière Mocha. Ouais, je l'ai vu. Ah, on est bien d'accord. Allez, du coup Dafsi qui est le seul en médium dans le. Ah. Qui est le seul en médium dans le. Ah, King Killer, ouais, c'est fini. Ah dommage, en tout cas ça, il aura bien. Il aura bien tenu jusque là. Ouais, dommage, je pense l'arrêt un peu tard. Voilà, ouais. Personnellement. Soit c'est un peu tard, soit trop tôt du coup encore. Après avoir fait son. Après avoir. Non mais après avoir ne pas avoir mis les pneus au premier moment. Ouais. Il fallait attendre vraiment le dernier moment, quoi. Une fois que tout le monde est et comme ça tu. Oh, regardez ça, vous le verrez peut-être pas souvent. Alex Rugby, meilleur tour. T'es méchant. Ça se bagarre Movic et Daddy. Ouais, mais Daddy là, il est en train de criser là, il veut absolument passer. Hein. Tu m'étonnes quand tu vois ça, t'as envie de passer. Ah ouais. Hein. C'est bon, il est passé. Oh, lui, il va se prendre. Opa! Oh là là, Rob Daddy! Ouais, au moment où j'allais dire, on s'est dit. Il veut pas! Non, mais ça l'a. Il va repasser, ouais. Oh là là! Ouais. Bon, dis-lui qu'il rentre à la maison, hein. Dis-lui qu'il rentre à la maison, s'il te plaît. Parce que là, c'est intenable. Hein. Ouais. Là, c'est intenable. Hein. Qu'on voit. Oh non, Zlatan! Zlatan qui a perdu sa monoplace, qui perd tout! Il perd tout, il avait tellement gagné! Je sais pas s'il y a eu un contact ou si c'est lui avec ses pneus, hein. Mais il perd tout. Tout. Ici c'est Movic. Hein. Nozmovic. Movic. Le trio de tête là, ils sont en train de se la mettre. Hein. Et il y a Warsbo qui en profite et qui rentre maintenant dans la seconde. Donc il va pouvoir profiter du DRS. Qui est activé ce tour là? Ibrahimovic. Oh, j'arrive même pas à le dire, Isaltar. Ibrahimovic. Pin. Et voilà. Bon, j'espère qu'il verra mon message. Oh, il y a eu des dégâts là. Il y a un dégât. Parce que le problème, c'est que ça fait des dégâts là, notre ami Movic. Bah, oui. Il arrache tout, quoi. Il hein faut qu'il se range sur le côté du circuit et ciao ciao. Là, là je le vois aller tout droit, tu vois. Là, c'est abusé, là. Ouais, j'étais à chaque fois avec quelqu'un de derrière et... Attention à Dafsi qui se rapproche de virage en virage. Ils ont réussi à tenir le DRS de Hydraznar. Ouais, c'était bien. Il a 33%.
Ouais, ils sont... Ah, sous la pluie, c'était fast, mais là, c'est furieux. Il a le meilleur temps dans le secteur 2. On va envoyer un stop the car, stop the car, stop the car. Stop the car. DRS au dragon. Moka. Tu lui présentes le drapeau noir, s'il te plaît. Ah, c'est passé pour Davsy. Non, Moka. Davsy hein, qui a freiné et pris l'intérieur. Hein. Ah, en pire, qu'est-ce qui se passe? Ouh là, ils sont 4. Regarde-moi ce bordel. Quand. Ils sont 4. Oui, pendant ce temps-là, oh non! Sans Wiz qui glisse à la réaccélération! On l'a vu! Et qui s'est venu s'accrocher sur le côté de la monoplace de Pierce! Oh mon bitch! Oui, c'est normal. On l'a rappelé dans la voie des stands. C'est Alex qui avait perdu un peu d'aileron. Check aussi. Je sais pas si pas. Si Pierce il a la voiture complète sur le côté, qu'il a pas de dégâts sur le côté, ben chapeau. Parce que le Sowiz, il lui est monté dessus. Tu vois un peu Stroll en Hongrie avec, oui, avec oui. Leclerc. Voilà. Mais comme ça, il lui a fait... Il lui est monté dessus. Oh, Mika qui a touché Nocta. Et au revoir Nocta. Des requins, ça. Attention, ça fait des politesses. Un os et un PHX. Ouais, attention, regarde, attention, regarde. Rob Dati qui s'est mis dans les... Qu'est-ce qu'il y a, Kakarot? Il est top 10. Mais P10. Mais là, il revient, il fait sa petite course tranquille. Ah, mais... Avec là, le, tiré, le vrai tiré. Oh, vas-y, je vais lui porter l'œil, je crois. Oh, Darcy! Darcy qui prend la place. Attention, c'est pas fini entre tous les deux. Ils sont roue contre roue. Hydrasnar, Darcy. Qui va freiner? Oh là 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 là. Je veux pas voir ça. Darcy qui s'en occupe. Ah, c'est Darcy qui passe. Et du coup, c'est Hydrasnar qui a le plus. Oh, il a plus de batterie. Ils ont plus de batterie tous les deux. Ils sont en train de sucer la batterie jusqu'à la moelle. 3% de batterie. Il y a plus rien, les gars. Oh là 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 là. Il faut dégager ce classement là. Merci, bouton. Oui, dégage le classement. Oh, putain. Moi, je m'en occupe. Je le garde pour la route. Savoir ce qui se passe derrière. Pour l'instant, il y a que là. Il y a Miki Mac et Daddy, mais. C'est Hydrasnar. Salut Wanda, je débarque juste et ça crie déjà, on a l'air de s'amuser ce soir, mais écoute, le trio de tête là qui nous fait le spectacle, ouais. Hydrasnar qui était en pole position depuis le début, se voit maintenant à la deuxième position, pris par Darcy. Mais regarde, le troisième et quatrième n'est pas loin, ouais. Grâce à ça. Warxbot, ça l'a permis de revenir. Ah, ouais, ouais. Hop, 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 c'est un abandon en cendre. Bon, ils seront que plus que 13 en piste. Noël. Ouais, 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 ils ont plus de batterie. Et c'est Warzbot, regarde. Ouais, ouais. Tu t'es peut-être trompé de session. Quand tu le voyais faire quelque chose. On rappelle que t'avais misé une petite pièce sur lui pour la pole. Ouais. Et là, ça dragonise, RCR, Dragon 45. Ah, on aime ça, on aime ça. Moi, j'aime bien quand ça dragonise, comme ça, je peux bien les défoncer. Ouais, juste ce qu'il faut. Par contre, ouais, parce que Daffy, lui, il avait que des médiums. Alors, est-ce qu'il va réussir à tenir jusqu'au bout? Oh, Mickey Mac, qu'est-ce qu'il... Mais Mickey Mac! Oh! Ça a pété en pleine ligne droite. Attends, et c'est attends. Safety car. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi en pleine ligne droite? Pourquoi en pleine ligne droite? Est-ce qu'il n'y est pas arrivé une falconisation? Le volant qui se... Le volant qui s'éteint. Oh, il y en a, ils vont faire... Allez. Ah, mais attends, qu'est-ce qu'ils vont mettre, là? Ils vont mettre des softs, là? Ah, 8 tours. Ouais, avec 2 tours... 2 tours... Là, devant, ils vont pas pouvoir pit. Ouais. Et du coup... Bien joué. Après, Rob Daddy. On va faire un tour niveau pneu. À partir de la 6ème place, ils sont en médium. Rob Daddy, Pierre, Zlatan, Nocta en soft et Sowiz en médium. Quelle erreur de Kakarot. Je peux pas être rentré, mais je crois que. Ah, t'es, il lui est arrivé une falconisation. C'est bien ça. Ah. Mon volant a bug.
c'est quoi ça? Ah, non, Jojo suggère les intermédiaires. Wanda, ah, ils étaient au début. Il pleuvait au début de course. Ah, c'est un message secret, mais c'est ça. Quoi que l'esprit. C'est très bien, FNSF Salomé. Du très bon boulot. c'était quelqu'un qui nous promettait richesse et fortune. Ah oh, ouais, non, mais il est là chaque hein semaine. Mais à un moment donné, on va vraiment être riche avec lui. Hein. Moi, je te le dis. Abdoul David. Ça existe, ça? Merci. C'est faux, ça. C'est un régène dans Football Manager. On n'est pas raciste. Pas de propos racistes. Surtout venant d'un. Moi. Surtout venant d'un RCR, c'est ça que t'allais dire. Surtout venant d'un RCR, oui, tout à fait. Mais Kakarot, il a fait une énorme. Qu'est-ce qu'il fout en neutre, là? Kakarot, ah ouais, il joue track position. C'est dommage. C'est dommage. Ah ben ouais, mais c'est trop tard, monsieur Kakarot! C'est trop tard! C'est pas maintenant qu'il fallait réfléchir! Il va prendre 5 secondes en plus, non? Non, c'est bon. Ah oui, là c'était... Mais quelle erreur! Tu nous as fait du caca! Mais quelle erreur! Alors là, va les rattraper les mecs qui sont devant toi! Mais quelle erreur! Et il va mettre des hardes. Mais quelle erreur! C'était un tour avant qu'il fallait faire ça. C'était dès que boum, hop, sa petite carte, hop, je plonge, allez! En plus, il était devant, quoi. Quelle erreur. Pardon, j'ai tapé dans mon bureau, je sais pas. Ça l'a surpris, je pense, à mon avis. Parce que lui, il était quoi? Il était P10. Non, il était un peu peu. Donc, ouais, Rob Daddy, Pierce, là, ils ont le bon truc. Hein. Zlatan, s'il arrive à ne pas suivre. Ouais. Là, il va falloir arriver à suivre le move, là. Les 4 de tête, là, ils sont vraiment dans la mouise. Là, ils sont en train de se dire. Oh shit! Eh, je sais pas, parce que les hards. Ah, il va falloir les chauffer. Là, hein. Les softs, ils vont. Les shops, les, non, mais les softs, ils vont être bons là. Sur les 2-3 premiers tours. Mais après, les hards, ils vont. Ah, peut-être 4 tours, ça peut peut-être faire 4 tours. Mais les hards, après, ils vont quand même être beaucoup mieux. Les hards, ils tiennent toute la course. Oui. Merci, après, Wanda. Faut arriver à les dépasser, les mecs, hein. Wanda qui allez menti. Allez menti, bien encourage. Il est où Manti? T'as mec qui a rien compris. Mec, au bout de 21 tours, Manti, il est. Bah, il est 20ème. Il est pas venu ce soir. Il est pas venu. Ah, il est pas venu. Il va prendre un ban Miami. Mmh. Voilà. Mmh. Et il ne commentera pas la course de Miami du groupe 4. Voilà. Il partira dernier lundi parce que sûrement il est voilà. Trop fort. C'est vrai. Avec son copain Felkoz. Qui d'ailleurs, oh mince, il faudra que je fasse passer le message à mon ami Wanda. Il y aura un message à faire passer dans le live pour les courses du lundi soir du groupe 1. J'en dirai pas plus, mais vous saurez tout lundi. C'est une énorme nouvelle qui peut être très mauvaise comme très bonne pour certains. Vous en saurez plus lundi. Mmh. Ah mais mince, je pensais que je sais c'est quoi maintenant. Normalement tu sais, oui. Ah ouais, merde, moi je pensais que je savais pas et je me disais toujours, je fais oh, un truc. C'est vrai. Ah bah Kakarot, il va en profiter pour remettre encore des pneus soft. Je te le dirai après si je. Mais c'est. Pas, tout le monde va entendre. Eh, mademoiselle F1SF Salomé, elle prend son mal en patience comme tout le monde. Non mais. Remettre des petits softs neufs, Kakarot. Mais pourquoi il... Parce qu'il a envie d'avoir vraiment... Il a entendu, il a dit, ah, les pneus, ils tiennent 4 tours. Je vais mettre des neufs, alors. Dernier pour dernier, vas-y, je pite. J'ai fait de la merde tout à l'heure, c'est pas grave, on va continuer. De toute façon, je suis seul avec une péna, là, ça sert... Hey. Allez, comme on dit, YOLO. Je rentre au stand. Mettre des softs neufs. T'as de la chance qu'il n'y avait pas Maître Poivron avec nous. Juste ça, t'as de la chance. Monsieur Kakarot. Là, il aurait mangé un bon tête de mort. Ah ouais. Non mais ça. Oh putain.
il aurait mangé Kakarot, hein, je vous rappelle, hein. Kakarot, je sais pas s'il est pas en Super Saiyan, non. Et là, il est en mode... je sais pas. King Killer est pas en mode Super Saiyan. Ben, King Killer, oui, qui s'intéresse à... qui s'intéresse au groupe, hein. Il ferait mieux de venir nous voir sur le live, le killer. Allez, on va voir un peu comment ça va se passer, cette relance. Désolé, c'est fini la safety car, il n'y a plus de papouille, là. Allez, on va libérer l'espace. Ok, on perd les papouilles. Ah ok. Je suis fait menacer. Moi, je vais me mettre avec le Pierce. Non, il y a Rob devant. Alors non, je vais me mettre avec Pierce, comme dirait Felco. Ouais, attends, ils sont chiants, ils sont en train de me défoncer les oreilles, là. Ah bah, il faut se mettre en caméra aérienne. Ouais, mais non, elle est même sur le côté, la caméra. Ah, en mode de... ah, ça y est. Oh, la caméra que j'aime bien. Là, on voit bien. C'est One Again, hein. C'est Bulma qui conduit, c'est plus Kakarot. C'est vrai, Wanda. Mais Reda ne comprendra pas. Non, je ne comprends rien, rien du tout là. Attention raison, là, pour moi. Alors, à la relance partie, de Dafsi et ça relance. Ah, ça met du temps à relancer. Ouais, il a pris son temps. Ah, il a attendu le premier virage et regarde derrière. Oh, Mocha. Mocha, ouais. Rob là. Il va le couper en deux. Qu'est-ce qui va se passer là? Ils vont se couper en deux, les deux. Ils vont se couper en deux. Opa! Wapa derrière, ils se sont coupés en deux. Et Pearls est parti. On a perdu Pearl. Non mais je vous l'ai dit, ça va se couper en deux. On a Warzbot qui a pas pu maintenir Rob Daddy qui glisse devant lui. Et je me mets... ça pue. Le voisin, faut le prévenir là. Je suis sur Rob. Oh non là. Le Rob Daddy, non, c'est pas Rob, pardon, c'est Warzbot. Oh non. Oui, c'est vrai qu'il commence à faire mal à la gorge. Rob Daddy, est-ce qu'il va aller chercher Mocha? Ah, j'ai l'impression que là, en ligne droite, il est mort, Mocha. S'il va sur l'autoroute, il est mort. Là, il essaie de perdre sur le grip, sur ce virage. Non, mais Rob, il a fait. Je vais voir que je suis en galère. Ah, Mocha qui... On aurait un Rob Daddy nous ferait un last kick first. Quel connard. Quoi? On veut savoir là, moi je sais pas. Pardon. T'es sur Twitch, c'est ça, c'est marrant. Oh, non, non. Noznirina, je crois que... Ça me fait pleurer cette histoire. Par contre, Kakarot, là, il a 15 secondes de retard sur le tas, là, donc les pneus soft, neufs. Non, mais il va repasser par les stands, ils sont plus neufs, là. Oh, putain. Excusez-moi. Il reste 4 tours, il est avec ses pneus médiums de 13 tours. Oh, attends, j'ai trop chaud, là. Est-ce qu'on n'aurait pas la première victoire RCR de la saison? Moi je crains, si tu regardes bien, un Rob Daddy. Parce que s'il va sur l'autoroute, voilà le problème de Rob, c'est que... Ah, et là on a Zlatan qui... Mais hé, regarde, il pointe le bout de son nez à la 6ème place. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais qui l'a laissé passer? Arrêtez d'être gentil avec Alex, c'est bon. C'est méchant. Oh, et Rob Daddy, salut! Oh, oh non, Rob! Ah, bah, Warzbot, l'argent. Oh là là. L'argent qui n'a pas été bien placé. Oh mince! Non, dans la voie des stands. Oh, Rob Daddy! Il va passer. Qui vient dépasser Draznar! Oh, Draznar qui avait fait toute la course en tête. Ah, oh, Draznar qui se met. Le crash dans le mur! Il a tout perdu! Oh, il va sortir P9. Oh, Pierce aussi. Il se passe trop de trucs de dinguerie quand je me déshabille. Oh là là, Pierce qui passe sur Nocta, ça se pousse. En tout cas, Rob, il a pris... Nocta qui prend...
Rob, hein, qui a pris une pénalité dans le... Oh là là, quel tocard. Ça, c'est là. Qui a pris une pénalité sur, juste sur le duel avec, avec Idrazna. Et en voulant prendre un peu plus large, ça l'a... il a pris ses 3 secondes. Donc, maintenant, il va falloir qu'il rattrape Dafsi, qu'il le dépasse et qu'il lui mette 3 secondes. Et il emmène dans son sillage le Zlatan, qui revient du Diable Vauvert. Ah ouais, non, mais Zlatan, il revient de très très loin. Hein. Mmh. Qui lui-même emmène dans son... dans sa... dans son... sur son dos, il a pris Moka, viens avec moi. Je t'emmène sur le podium. Mais c'est pas le patron, Moka? Non, c'est pas lui. Oh, on a perdu. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est pas vrai! Mais ce Rabdani, chaque tour, une surprise! Chaque tour! Mais c'est dingue! Il avait la victoire à bord! Mais c'est dingue! Et là. Terrible! Y a pas un plateau? Terrible! Terrible! Alex Ruby, quatrième, messieurs, dames! Ah mais là on lui a amené la victoire sur un plateau là, monsieur Daphne. Non mais attendez, 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 Moka qui glisse, attendez, Zlatan qui commence déjà à perdre ses softs, on le voit partir un petit peu de tous les côtés, et Moka, oui, Moka qui passe. Oh ils vont les, ils vont se... Oh là 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 là. Ils vont faire revenir Alex sur eux là. Mais c'est ce que j'allais dire, Alex qui va aller chercher son podium, le podium de sa carrière. Zlatan, il a fait ça, allez, viens avec moi, Moka, on y va. Allez. Et là, maintenant qu'il est là, je lui dis, pousse-toi, je reste. C'est... Un podium d'Alex Rugby, ça serait incroyable. Là, j'envoie 200 étoiles, là, si c'est le cas, là. Moi, je m'abonne. Je ne l'ai pas encore fait, ça. Je sub, parce que je ne l'ai pas fait. Hein? Subé? Ouais, je crois que Alex, c'est son meilleur résultat. On en... Ah mince, on a entendu ce qu'elle a dit. Alex, son meilleur résultat, c'est une P5 au Japon en saison 1. Et il aime bien en fait les bridés. Enfin, les circuits. Il aime les Asiatiques. Les circuits asiatiques. Ah, et Kakarot. Oh, Kakarot allez, passe. Change les pneus. Change les pneus. Change les pneus. Je commence à fatiguer pour Kakarot. Attention, Idrazna qui passe sur Sowiz avec les hard au freinage. Putain, j'ai mené toute la course. Je vais finir P6. Et Alex Rugby, il est devant moi. J'ai foutu une seconde en qualif à tout le monde. Et là, oh bah les noses, là ça se bat. Ouais. Attends, ça veut dire que la prochaine... Attends. La prochaine course qu'on va faire et qu'on va devoir donner les écuries à tout le monde, en gros, Alex Rubi, il est en Mercedes. Ouais. Ouais, mais j'adore ça, j'adore, moi j'adore. Voilà, il va dire, ouais, mais pourquoi vous avez dit ça sur moi? Vous êtes vraiment des enfoirés quand vous faites des lives avec moi dedans. Et Rob l'a dit qu'il est revenu sur Alex. Bon, il sait qu'il a une péna, donc il va pas prendre de risque, mais... Bah... Ouais, tu connais Rob l'a dit, hein. Il va pas prendre quoi? Il suffisait que je me mette sur lui, ça part en travers. Et pourtant, on n'est pas avec le groupe 1. Oh bah, Rob l'a dit, ça a quitté la session. Ne lâche rien, Warxbo, ne lâche rien, je suis dépité. C'est une course loisir, c'était juste pour voir un petit peu ce que c'est, comment ça se passe. Et si on réussissait... Sur le bot de Daddy. Ouais, j'ai envie de l'appeler si Daddy. Si on réussissait... Ouais, mais regarde, Daddy, il revient. Son bot, hein, il a été déconnecté de la session, l'artiste. Ah, ok. Donc là, c'est... C'est pour ça, que, donc coup, c'est pour ça qu'il vient à le passer. Et là, les deux c'est noms, le là, Saint Alex à... ce soir, nous dit Wanda. Quoi? Dernier tour. Il n'y a pas commentateur pour rien. Zlatan qui passe sur Moka. Oh, Moka qui re-attaque à l'intérieur. Oh, ça... oh là 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 là. Ça joue dur là, les deux noses là.
Ils m'ont tué la voix. Ouais, bah, mais what nous dit Rob Daddy. Tu n'es plus c'est pas nous qui, c'est pas nous qui faisons ta connexion pour ta connexion. Hein. Essaye de revenir. Ouais, voilà. Fini en beauté quand même. Il te reste. Tu reprends l'invite et tu retournes. À part si t'as pas réussi. LDR. Il est pas MDR. Il est LDR. LDR, ça veut dire l'heure de rire. C'est l'heure de rire. Moka qui a l'air de se diriger vers Moka qui va aller prendre la P2. Hein. J'ai éteint mes noisettes. On va se mettre avec Dafsi, oui, qui va entamer la dernière ligne droite. Grosse ligne droite. Il pleuvait. Ouais. Les premiers tours de roue. Ouais. Dafsi fait le choix de mettre des médiums. Il a fait toute la course à la troisième place, en à peu près troisième, deuxième, en se bagarrant avec Moka. Ouais. Il a profité du sec. Ouais. Et d'une safety, de deux safety cars du coup, qui lui ont permis d'économiser ses pneus et il va remporter sa première course. Allez Zlatan, il faut rien lâcher. Première course gagnée pour Rafter Dafsi. Ça va être devant les deux noses. Moka. Et regardez, qui va là à la quatrième place. Il bat son record. Alex Rubi, F1 SF, Alex Rubi. Son meilleur résultat en tant qu'F1 SF, et magique. Le premier F1 SF de la soirée. Rob Daddy qui va finir. Et bien au final, tu vois, Kakarot, il mettra un point. Puisque Rob Daddy est passé sous intelligence artificielle, donc ça veut dire qu'il est. Enlevé du coup. Ce qu'on appelle, il est dégagé. Voilà. Donc forcément, Kakarot remonte. La pierre, il va le laisser, hop. Avec Kakarot qui l'attend, en bon seigneur. Eh bien, écoute, Pierre et... Non, mais qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Mais qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Non, mais Pierre, il fait des donuts et Kakarot, il l'attend. Merci, Pierre. Iron Man, là, qui nous fait des... Où il voulait rentrer au stand, on sait pas, mais... Après, t'es sûr qu'il fait des donuts, Pierce, ou c'est que vraiment il... Non, non, il fait des donuts. Allez, c'est terminé. C'est pas la spécialité. Pour ce Grand Prix réserviste d'essai. Donc, bon, il s'avère que c'est assez concluant. Cette course, elle a été assez concluante au niveau qualificatif, puisqu'ils sont restés très très proches tous. On a pu voir même pas une seconde entre le premier et environ le 16e pilote, il me semble. Donc, hâte de revoir une course comme ça. Ouais. En tout cas, on a pu voir un beau combat. Une grosse tête de Reda. Fin de course. Et, je vais prendre mon téléphone pour faire des... Oh. À la Rémi le lundi, c'est où va son front. Je pense qu'on va pas les retarder plus, hein. Il est 23h20, on n'a pas l'habitude de terminer aussi tard, donc on va passer outre les interviews, pardon. Donc Dafsi. On va leur demander qu'ils nous fassent une petite interview et on la passera dans les lives de la semaine prochaine. Ouais, exactement. On peut faire ça. C'est une solution. Ouais. voilà, Dafsi qui vient donc ce soir à mettre 26 points. Il aurait été en championnat, il aurait été en tête. Donc forcément, on va un petit peu calculer, voir dans quelle monoplace on va tous les mettre, ces gens-là, pour que nous puissions, avec nos nouveaux affichages, faire en sorte que tout aille bien comme il faut. Oula, 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 pardon, je lance une vidéo, on a plus la caméra, je vais l'enlever, hein. Merci Reda. Donc voilà, on va essayer de mettre en place les monoplaces de nos réservistes qui viendront donc à effectuer leur course durant la semaine de pause du championnat de la F1 Simulator France. Ce soir, ça a été un petit test, voir si on pouvait déjà avoir 20 réservistes. Ce qui s'est avéré assez compliqué jusqu'au dernier moment. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera plus. Puisque je vais passer le balai. Voilà.
Et donc voilà, donc je compte sur nos autres réservistes, bien évidemment. On a mis le point, n'est-ce pas, Reda, sur les courses suivantes, quand est-ce qu'elles se dérouleront. Ah ouais, après c'est une course surtout pour remercier nos nombreux réservistes qui grâce à eux, salut Nirina, qui oui, c'est vrai, grâce Nirina. À eux permettre du coup au cas quand nos titulaires sont absents et ou des problèmes de dernière minute, qu'ils puissent répondre présents. Donc c'est vrai qu'on a énormément de réservistes. Cette course était un peu pour les mettre à l'honneur. Et de les remercier aussi, voilà, parce que c'est vrai qu'on peut pas faire rouler tout le monde. Et ça nous embête un peu. Voilà, on est quand même, on est assez humain et on aime bien faire rouler, que tout le monde puisse trouver son compte. Donc après voilà. Dans l'ordre général, il y a un roulement. Il y a quand même un roulement de fait. Donc voilà. Après, soyez patients. Et puis on a mis en place du coup ce format, ce schéma pour justement en même temps pouvoir jauger un peu de la mentalité, du niveau et de comment ça se passait en piste pour eux. Franchement, c'était quand même une belle course, hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi aussi propre et aussi aussi serré. En général, quand t'as 20 pilotes qui se connaissent pas et qui ont pas l'habitude de jouer ensemble, un circuit que pas grand monde maîtrise, en général, ça fait des images spectaculaires, mais pas dans le bon sens. Du coup, voilà, merci à eux. Et puis, bah, merci à toi d'avoir sorti la caméra. Hein. La caméra. Et je suis très satisfait, tu vois. En plus, de mes réglages, il n'y a eu aucun lag dans le live. Donc, j'ai réussi à résoudre ce problème qu'on avait dans le groupe 1. Donc je suis très très content. Donc on va pouvoir offrir vraiment les images que tout le monde attendait. Moi, enfin voilà, je vais pas rajouter plus que Redan a dit. C'est tout ce qu'on peut donner à tous nos pilotes. Ben, on essaie de le donner un maximum. Forcément, les réservistes font un boulot extraordinaire. Ils sont souvent présents dans le groupe 2. Mais c'est là où il y a très rarement le nombre d'absents. Donc, forcément, et ils ont tous un gros niveau. On ne va pas se cacher, ce soir, on le voit encore, hein, il y a eu du gros level. Donc, on ne peut pas les faire rouler avec n'importe quel groupe, malheureusement. Ça, j'espère qu'ils comprendront. Sinon, ça ne serait pas agréable pour nos titulaires et surtout pour notre organisation. On serait peut-être un petit peu mal vu quand même par nos pilotes. Donc, c'est pas le but. Et le but, ça serait de faire plaisir à tout le monde. Donc, forcément... le réserviste show reviendra donc sous une forme de championnat pour essayer bien d'élire un meilleur réserviste, pourquoi pas entre eux. Donc ça se déroulera, il y en aura 5 courses à partir de la semaine de novembre, la dernière semaine de novembre je crois, puisque c'est dans 4 semaines puisqu'on va dérouler, ouais. On va revenir la semaine prochaine, 5 semaines, non? Je sais plus. Ouais, je calcule. En tout cas, on va vous faire passer le calendrier. On va mettre ça en place. On va mettre un petit calendrier pour les réservistes avec des circuits qui vont être connus. Ça va être une course par mois, quoi. Ça va être une course par mois. Et pourquoi pas une grosse course. Donc, on verra. On verra comment essayer de faire ça. Si on mettra les sprints ou pas dedans, on ne sait pas. On verra. Ça peut être marrant, ça, une petite sprint, ouais. Donc, on va essayer de calculer ça pour vous tous. Donc voilà, on vous en dira un petit peu plus prochainement dans les lives et surtout dans le Discord pour nos pilotes. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. Et puis moi, je me suis bien amusé avec Reda. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas immortalisé quelque chose tous les deux. C'est vrai. J'ai l'impression que c'était à... C'était pas les 1 an? Aussi loin? J'allais dire, il y avait peut-être, Octobre Rose. Peut-être. Et sinon, je crois peut-être. Que c'était peut-être les 1 an, hein, quand on avait. Quand on était 4 en cabine. Ouais, ouais. Ah, peut-être. Enfin, 4, dont un qui était sur la piste, il y avait. Ouais, il y avait Maître Poivron sur la piste, il y avait notre Franck Montagnier sur la piste.
Ouais. Et il y a ça aussi, il y a bientôt nos 2 ans qui approchent, hein. Il faut le signaler, c'est dans 4 mois. Hein. Dans Ouais, 4 mois, on va atteindre et nos 2 ans. avant, il y a la semaine prochaine, c'est une semaine où il y a 5 courses. C'est ça, Ouais. hein? Ouais, Ouais. puisqu'il y a le vendredi, il y aura la fameuse course, l'événement de Octobre Rose. Vous voyez C'est juste en vendredi bas de moi, prochain. hein. Et on a le petit Octobre Rose, on a un nouveau logo que je remercie énormément Greg pour son boulot et son investissement. Sur ce logo, et oui, Redal a très bien dit. Donc, on va faire rouler nos abonnés. On a quelques abonnés qui ont rejoint. On va leur faire plaisir, c'est leur offrir l'opportunité d'être en live avec nous, connaître un petit peu ce qui se passe sur la piste avec nos titulaires. Les manettes sont autorisées, tout comme ben, les volants. Hein. Mais on invite très fortement nos pilotes masculins à donner le volant à leur femme, à leur sœur, à leur voilà, toutes les féminines qu'il y a autour d'eux, ça serait fort sympathique. À leur plan. Alors, merci Reda. Alors, Je viens de me faire fusiller du regard. comme vous l'avez vu, en plus, voilà, si elles veulent jouer le jeu des caméras, comme fait par exemple Reda, bien évidemment, bah, c'est October Rose, donc il faudrait avoir une vue plongeante. Enfin, non, 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 enfin voilà, ça nous ferait extrêmement plaisir d'avoir un maximum de femmes dans la course. Bien évidemment, on sera sur le thème du rose, donc toutes les monoplaces seront roses. Forcément, avec une touche primaire de rose. Et puis, c'est juste histoire qu'on puisse rigoler tous ensemble et qu'on puisse avoir un maximum de nana, quoi. Enfin voilà, ça se passera donc vendredi soir sur le circuit d'Autriche. Et le plus facile, toutes les aides seront autorisées pour ces dames. Et puis, juste histoire qu'on puisse s'amuser. Ma femme veut jeter ma play par la fenêtre depuis qu'elle est rentrée. Mais là, derrière le volant, ça se trouve, Je ça va rigolais dire aller. non, mais ta femme à la poubelle. écoutez, nous, quant à moi, c'est fini. Vous n'allez pas me voir de la semaine, puisque Ah lundi, je serai non, en plus absent. j'allais dire Et Nana, ouais. elle va être énervée là de pas. Et ouais. Après, ben non, du coup, il y a une course en moi. Ah, c'est pour ça que t'es pas là lundi. Et oui, malheureusement, Ah. on ne sera pas là lundi avec Nana. Mais je serai là, ce serait certainement vendredi pour commenter donc Octobre Rose, pardon. Passez une très bonne semaine, passez une très bonne soirée. Merci de nous avoir suivis avec nos chers réservistes. Merci énormément à Reda d'avoir été là ce soir. J'aurais pas fait tout seul sinon. On a bien rigolé. Et puis Même pas, et voilà. merci à la chef d'avoir autorisé la Ouais, diffusion. c'est vrai. C'est vrai. Merci Merci à mesdames. FASF Salomé. Merci FASF Nana qui a un petit peu fait la gueule. Mais bon, allez. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne Allez, soirée à tous. rendons Ciao, l'antenne à vous les studios. ciao.